Salutations à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine malgré évidemment une actualité très 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 chargée. On va essayer de dépassionner, d'essayer de sortir de l'émotionnel, d'avoir une vue globale sur ce qui se passe actuellement. Parce que si nous n'avons pas de vue globale et un minimum d'objectivité, il est extrêmement difficile de ne pas tomber dans le piège de la doxa ambiante et du langage médiatique environnant, malheureusement, que nous subissons tous les jours. Et je précise bien langage médiatique. D'ailleurs, ce soir, il sera question de langage. Bonsoir à vous, monsieur Upinski. M'entendez-vous bien? Et comment Bonsoir, allez-vous? M. Wilson. Je vous entends 5 sur 5. Bien, très bien. Eh bien, ce soir, nous allons visiter cette actualité assez riche, pour beaucoup imprévue. Pour certains, c'était quelque chose de prévisible depuis un moment. On va essayer petit à petit de décortiquer tout cela et d'apporter un éclairage et une analyse fine pour que l'on puisse sortir de ce piège du langage qui est totalement maîtrisé actuellement par l'ennemi. Et malheureusement, nous cherchons pour beaucoup encore des solutions. Monsieur Ipinski, Vladimir Poutine, il y a 2 jours de cela, décide. En appui avec son gouvernement, avec son parlement et avec ses généraux, d'attaquer les positions nationalistes ukrainiennes, et je ne parle pas de l'armée régulière ukrainienne, c'est là justement où on se différencie de la doxa médiatique occidentale, donc décide de reprendre le contrôle sur le Donbass en soutien aux deux républiques populaires, celle de Lugansk et celle de Donetsk. D'un point de vue d'un pays et d'une nation souveraine comme la Russie, cela nous paraît quand même d'être du bon sens. Depuis, les médias se sont emballés, depuis, les puissances occidentales assujetties et soumises à Washington se sont emballées. Donc aujourd'hui, monsieur Upinski, où en est-on? Quel est votre regard sur cette actualité chaude et bouillante? Écoutez, la première chose que je souhaite dire, c'est qu'il faut insister sur la situation d'aveuglement dans laquelle nous sommes. Et nous ne sommes pas dans cette situation depuis aujourd'hui, puisque ça fait des dizaines d'années que je ne cesse de le dire, qu'il manque la grille de lecture. Alors, je ne vais pas faire l'historique de mes travaux, si je peux dire, mais j'en arrive maintenant en affinant le trucage du langage que j'avais identifié il y a plusieurs dizaines d'années. Je t'ai dit, il y a un trucage parce que ce sont les, pour faire très court, la plupart du temps, les mauvais et les moins nombreux qui gagnent contre les meilleurs et les plus nombreux. C'est le petit nombre qui gagne. Donc, je me suis dit, comment faire? Donc, il y a tous mes travaux sur les mathématiques, je ne reviendrai pas, mais j'arrive à la magie. C'est-à-dire que nous sommes actuellement près des présidentielles 2022. Et en 2017, j'ai écrit un livre qui est totalement censuré, à partir de plusieurs phrases du président Macron, mais de la phrase essentielle, la politique, c'est un style, c'est une magie. Et je pourrais dire aujourd'hui, la guerre, surtout la guerre anglo-saxonne, c'est un style, c'est une magie. Et je rappelle qu'avant la prise de la Bastille, William Pitt, l'ennemi juré de la France, avait dit, nous avons une autre manière de faire la guerre. Et si ces gens-là ont une autre manière de faire la guerre, nous allons en parler, c'est qu'il faut avoir une autre manière de la regarder. C'est-à-dire qu'il faut passer à travers les grilles du mensonge, puisque vous aviez Churchill qui avait bien dit, en période de guerre, la vérité est tellement importante qu'il faut l'entourer d'une muraille de mensonges. Donc je pense que c'est, je pense, je suis certain que c'est le sujet actuel. C'est pour ça que le titre que j'ai choisi, c'est Magie noire de Macron contre magie blanche de Poutine, c'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder les faits un par un, il faut les voir en bloc. C'est ce que nous a appris La Fontaine dans Le Corbeau et le Renard. Il faut savoir si on a affaire à un corbeau ou à un renard. Et une fois qu'on a identifié le profil, c'est le fameux profilage dont on parle, des belligérants, eh bien, on a tout compris. On peut dire qu'on a tout compris. Donc, je voulais insister sur le fait que actuellement, et j'espère que cette émission va enfin amener certains à ouvrir les yeux avant qu'il soit trop tard, selon l'expression, c'est le mot-clé, c'est la magie. Et le langage de la politique de Macron est écrit en langage mathématique, sans l'usage duquel il est impossible de comprendre un seul mot. Et la guerre actuellement, c'est exactement la même chose. Écoutez, donc, il faut cette magie. Et qu'est-ce que c'est que la magie? On peut le définir très simplement.
c'est l'art de rendre invisible l'évidence. Il y a des évidences actuellement. Il y a des évidences. Et c'est ça, la puissance des médias. Et j'avais bien décrit, donc excusez-moi de rappeler, dès l'élection de Macron, qu'il y avait un angle mort, hein, c'est facile à relire, un angle mort des Français, premièrement sur le secret de la victoire de Macron. J'annonce que le président Macron est déjà réélu, sauf si certains veulent bien suivre ce que je vais dire à la fin. Deuxièmement, il y a un plafond de verre qui empêche de voir au-dessus ce qu'il faut. Et troisièmement, il y a, si vous voulez, la troisième chose, c'est que la France, c'est l'énigme du mal français, c'est que la France n'a plus de tête. La tête, c'est Macron, c'est-à-dire c'est les Anglo-Saxons. C'est direct. D'accord ? Alors, si je peux me permettre, Monsieur Upinski, de quoi est fait ce plafond de verre que vous décrivez ? C'est quoi sa nature de ce plafond de verre ? Ce plafond de verre, c'est ce qui empêche de voir ce qui est au-dessus. Et ce qui est au-dessus, vous le voyez partout, je simplifie parce que ce n'est pas le sujet principal, c'est que quand vous vous promenez, vous voyez liberté, égalité, fraternité. Et vous ne comprenez pas que ce sont des mots qu'il faut lire à l'envers. On l'a vu à l'occasion ces derniers mois. Bon, donc vous avez, il y a ce qui domine, c'est comme dans l'artillerie. L'artillerie, il y a une formule de l'artilleur, le haut commande le bas. Dans le langage, c'est pareil. Ce sont les principes qui commandent les phrases et les mots. Et nous sommes gouvernés par les phrases et par les mots. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est ce qui est au-dessus. Et ce qui est au-dessus, c'est ce qui empêche les Français d'arriver au pouvoir. C'est parce qu'il y a des dogmes qui interdisent l'accès. Et ces dogmes, je ne vais pas vous raconter l'histoire de ces dogmes, mais commencent à la Révolution, bien entendu, puisqu'il y a eu un pacte de haine de la France à la Révolution, qui a été appelé haine de la royauté, parce qu'il faut toujours traduire les mots dans le bon sens. Mais quand il y a un peuple qui détruit ses monuments, qui détruit sa langue, qui se détruit, qui assassine ses chefs, qui change, ben, c'est qu'il se passe quelque chose de bizarre. Parce qu'en principe, bon, donc, c'est la grande figure à retenir aussi en dehors de la magie, c'est l'inversion du langage. C'est-à-dire que nous ne savons pas lire à l'inverse les dogmes qu'on nous donne. La liberté, alors je cite, moi j'en ai une autre, mais je cite la phrase d'Huxley, je veux dire d'Orwell, qui disait « La liberté, c'est l'esclavage, l'ignorance, c'est la force. » Bon, c'est la clé, c'est l'inversion du langage. Et tant que le bon peuple n'a pas parlé la langue naturelle, eh bien, il ne peut pas comprendre cette magie. Et c'est ce dont nous allons parler, nous devons parler. Nous devons parler sur cette guerre, comment la regarder? Quelle est la grammaire de cette règle? J'ai entendu tout à l'heure que vous parliez du discours du président Poutine et du discours du président Macron. Et c'est en écoutant et en comparant, vous l'avez dit, ces deux discours que je me suis dit qu'il fallait absolument créer une émission, et je vous remercie de m'inviter, qui soit sur la magie noire de Macron, d'où vient-elle? C'est elle qui nous tue. Et la magie blanche de Poutine, qu'est-ce qui autorise à dire qu'il y a ces deux magies, en sachant que les choses ont une certaine complexité. Alors, vous me demandez la vision, c'est que ce que nous voyons actuellement au Donbass, c'est un petit jeu auquel nous assistons depuis plus de deux siècles. Quand vous étudiez la Révolution prétendument française, mais qui est anglaise, vous voyez deux discours qui ne se rejoignent pas. Tout ce que je vous dis, c'est parfaitement documenté. Il suffit de lire les comptes rendus des tribunaux révolutionnaires qui condamnaient des innocents au nom de la justice. Bon. Donc, il y a la victime qui parle, mais le bourreau ne l'entend pas. Et quand vous écoutez, quand vous lisez, vous écoutez le discours du président du 21 février, du président Poutine, eh bien, vous voyez qu'il est... il y a plusieurs choses qui frappent. C'est que d'abord, il est détaillé. Et nous verrons que ce n'est pas du tout le cas du discours du président Macron, qui est très court. Bon, ça commence comme ça. Et puis, vous avez des informations. Et vous voyez que vous avez ce que j'appelle un langage réaliste. C'est-à-dire qu'il faut savoir que toute l'histoire du monde est basée sur le combat entre deux langages, le nominalisme et le réalisme. Alors, ça fait un peu compliqué. Nominalisme, c'est les noms. Réaliste, c'est la réalité. Et il y a deux types d'hommes. Deux types d'hommes et deux seulement. Il y a ceux qui croient à la vérité des mots et ceux qui croient au pouvoir des mots. Macron ne croit pas à la vérité des mots, il croit au pouvoir des mots. C'est-à-dire, ceux qui croient au pouvoir des mots, ce sont des séducteurs pour tromper, des menteurs. Et les Anglo-Saxons... Ça, c'est le cas depuis 1789, c'est ce pouvoir des mots, en fait. Alors, ceci dit, il y en avait déjà, mais c'est bien traduit dans Le Corbeau et le Renard,
Le corbeau est un réaliste, le renard est un nominaliste, il flatte le corbeau et il ramasse évidemment le fromage. Donc, quand vous voyez quelqu'un, il faut toujours vous dire, est-ce un renard ou un corbeau? Bon. Et donc, ça se passe. Alors, c'est, disons que la révolution, cette révolution, c'est la prise du pouvoir par les nominalistes. Par exemple, les nominalistes sont très bien décrits par Molière, dont j'ai les œuvres derrière. Molière dit, en parlant du bourgeois Orgon, et c'est Tartuffe qui parle, « Je l'ai mis en état de tout voir et de ne rien croire ». C'est-à-dire que les Tartuffes qui sont au pouvoir actuellement nous laissent avoir sous les yeux la réalité, mais nous empêchent de la voir. Bon, c'est l'histoire que je ne parlais pas, que nous vivons d'Absurdistan depuis 2 ans. Donc c'est un art, c'est la magie noire, c'est ce qui nous tue, ce qui nous assassine, qui nous pille, sans que nous voyons quel est le coupable. Et c'est exactement ce qui est à bien observer, ce qu'il faut observer dans ce qui se passe à l'Est de l'Europe. C'est-à-dire que les anglo-saxons nous empêchent de voir cette réalité. Alors, je reviens au discours. Ce qui est très, très intéressant dans le discours du président Poutine, comme je dis, c'est qu'il a un discours réaliste. Et il commence par s'adresser, ce qui est étrange dans une guerre, aux Ukrainiens. Et c'est pas que les discours, par exemple, pendant la guerre de 14 ou de 40, vous aviez les chefs de l'armée française qui disaient « Je m'adresse aux Allemands. » Enfin, c'est pas très banal, si vous voulez. Et c'est encore moins banal de dire « L'Ukraine est une partie de notre histoire. » C'est notre espace culturel. Donc, c'est la chair qui s'attaque à la chair. Il dit, ce sont des amis, ce sont nos familles. Donc, c'est une sorte de guerre civile dont il parle. Vous voyez ? Et je tiens à dire une chose, c'est que de même que dans la fameuse épidémie que nous avons vécue, vous voyez qu'il y a des chiffres, des statistiques, qui va gagner. Il n'y a aucun cœur. Ils n'ont aucun sentiment. Et quand vous voyez tous ces journalistes, ils oublient qu'il y a des morts. Mais il y a des morts. Un homme mort, qu'il soit ukrainien ou russe, c'est un homme mort. C'est une famille. Vous voyez, c'est un jeu. C'est un jeu de mots actuellement. Ils essaient de gagner en mots, mais ils n'essaient pas de gagner en amour du prochain. Oui, là, vous parlez des médias occidentaux. Hein. Je parle de ce que je vois. Voilà. Je parle de ce que je vois. Alors, je parle de ce que je vois. Et là, nous parlerons du droit de la guerre. Il ne faut pas oublier du droit. Personne ne parle du droit de la guerre. Nous allons en parler, si vous voulez. Et donc, Macron, quand vous voyez le discours, comment est fait ce discours? Parce que personne ne répond à personne. Moi, c'est ce que je vis. Ça fait quand même... 1 an et demi que je traite un certain président des pires crimes qu'on peut imaginer, on n'a pas de réponse. Il n'y a jamais de réponse. Si vous voulez. C'est-à-dire que, bon, et là, donc dans ce fameux discours, après, il se rapporte à l'histoire. Et ça, c'est le fait. Enfin, les nominalistes aussi trafiquent l'histoire. Ce sont les grands falsificateurs de l'histoire. Mais il fait appel au sentiment, d'abord, à la famille. Nous sommes le même peuple. Et il dit, je vais raconter l'histoire pour comprendre. Donc là, c'est typiquement l'approche, quand ce n'est pas truqué, du réaliste. Bon. Là, il parle en vérité. Il parle en vérité. Alors, je passe assez rapidement, mais c'est très intéressant. Personne ne l'a étudié, parce que les gens cherchent à piéger les autres, mais pas à les comprendre. La première étape, c'est de se comprendre. Et puis après, bon, on peut en venir aux mains. Mais là, ils ne veulent surtout pas. Nos médiateurs, ce sont des médiateurs, ce ne sont pas des médiateurs que nous avons. Nos médiateurs, c'est ce que j'avais écrit dans un livre qui s'appelle le livre « Enquête au cœur de la censure » qui a été évidemment censuré, bon, c'est qu'après, il parle de l'Ukraine actuelle avec les vols qui sont commis sur le pétrole. Il parle de la construction de l'État. Il raconte comment ça s'est fait. Bon, il dit que le nouvel État qui est créé, qui refuse tout ce qui nous réunit. Donc, il montre bien qu'il part d'une union et il montre que ce qui se passe actuellement, le nouveau gouvernement, il réfute toute la mémoire des générations. Le gouvernement Zelensky, vous parlez bien du gouvernement Zelensky. Bon, et voilà. Et puis après, il dit qu'il a été construit sur la homophobie. Donc, il parle d'une famille, et puis vous avez un nouveau pouvoir qui s'installe. Bon, disons qu'il fait appel. Alors, après, il fait appel, évidemment, il dit que ce sont des néo-nazis, mais là, il faut connaître l'histoire de la dernière guerre mondiale pour comprendre. Bon, je laisserai de ce côté. Donc, enfin, c'est un réaliste qui fait appel au sentiment, à la vérité. Et là, vous voyez très bien que le procédé que les médias nous reprochent, eh bien, c'est exactement les procédés de Macron. Bon, quand vous voyez comment Macron parle de ses opposants, eh bien, évidemment, il emploie tous ces mots que je n'ose même pas citer. Il dit que c'est l'anti-France qui est contre lui. Donc, comment ? Donc, nos médias ne voient pas ou ne veulent pas voir, bien entendu, que les procédés qu'ils reprochent à Poutine sont en tout cas les mêmes, mais à l'inverse, si vous voulez, parce qu'il n'y a pas la deuxième, que ceux qui sont utilisés par Macron contre son propre peuple. Parce que le président Poutine attaque certaines personnes, on le comprend, mais Poutine, c'est l'ennemi de son... Je veux dire, Macron, c'est l'ennemi de son propre peuple. Vous voyez?
Donc on a cet aveuglement. C'est la grande différence. C'est la grande différence avec la Russie. Si vous voulez. C'est alors, après, il parle du fait que c'est un État qui n'est pas stable, bon, qui a fait un choix de civilisation pro-occidentale, c'est-à-dire, en tout cas, il vient de le dire, qui est russophobe, je vais très bien. Enfin, il passe tout un ensemble de choses. Et puis après, il parle évidemment de la corruption, mais la corruption qui reproche à l'Ukraine, eh bien, regardons en France, nous sommes en pleine corruption. Nous sommes en pleine corruption. Il y a les oligarques, peut-être, il y a les oligarques, effectivement, en Ukraine, mais en France, c'est l'oligarchie. C'est ce qu'a très bien dénoncé Nicolas Hulot, que tout le monde a oublié. Il y a un problème de démocratie. En France, ce sont les lobbies. Donc voilà, donc on est dans ce jeu de dupes dans lequel les médias reprochent exactement ce qui se passe en France et qu'ils n'ont pas vu depuis au moins 2 ans, nous en parlerons peut-être. Donc, sur la corruption. Et puis, par exemple, il parle des 60 000 personnels soignants qui ont quitté l'Ukraine. Mais en France, on peut discuter du chiffre. Il y a Macron qui a bien chassé 15 000 médecins, des systèmes, 15 000 soignants du système hospitalier. Et ces médias qui vont voir ailleurs et qui critiquent cet ailleurs, ils ne veulent pas voir ce qui se passe en France. Donc, il va falloir quand même se réveiller, si j'ose dire. Ensuite, il parle de l'accroissement du vide, du patrimoine. Ensuite, il parle, si vous voulez, des richesses qu'il y avait dans l'Empire et l'URSS qui ont été pillées par ces gens-là. On peut dire qu'en France, il y a les richesses de la royauté, plus celles qui étaient là, qui ont été pillées. On peut très bien prendre le symétrique. Mais ne demandez pas aux journalistes de le faire parce qu'évidemment, ils n'ont le bac actuellement, ils n'ont plus le certificat d'études. Bon. Alors, ils parlent de l'importance, effectivement, comme chez nous, ce n'est pas Macron qui décide. Eh bien, en Ukraine, ce ne sont pas les Ukrainiens qui décident. Ils parlent du rôle de l'ambassade. Donc, il faut lire ça ligne par ligne. Et évidemment, on peut discuter, mais ça n'est surtout pas fait, surtout pas fait. Bon, donc, il dit qu'il n'y a pas de liberté d'expression en Ukraine, mais... On peut discuter de la Russie, c'est pas... mais en France, il n'y a pas de liberté d'expression. J'en suis le meilleur exemple. Je rappelle que Macron a dit que la politique, c'était de la magie, et aucun journaliste, personne n'a voulu regarder cette chose-là. C'est quand même important. C'est quand même la clé. Il a dit que c'était de la magie. La magie, c'est évidemment l'art de la mystification. Il suffit d'avoir assisté une femme coupée en morceaux dans une boîte pour comprendre ce qu'il sait. Ben là, la boîte, c'est la boîte électorale. Bon. Okay. Donc, il parle de ce pillage que nous avons encore. Bon. Et donc, on pourrait continuer. Après, il parle de la militarisation avec l'influence, effectivement, des Anglo-Saxons en Ukraine. C'est une réalité. Bon, vous avez… Surtout à Maïdan en 2014. Comment l'armement? Comment ça se fait? Bon, il le voit. Et ça, c'est mis, on voit très, très bien. Il parle des bases militaires. Alors, les bases militaires, installation des bases étrangères, c'est interdit par la Constitution. Et hop, là, le président Poutine dit, on appelle ça une mission. Vous voyez, ce n'est plus… Bon, ça, c'est le jeu de mots, c'est la sémantique. L'OTAN, bon… L'OTAN, alors il parle effectivement de l'OTAN. Bon, depuis 1991, c'est pas la peine d'être polytechnicien ou je ne sais trop quoi, de sortir de l'ENA, n'est-ce pas, pour comprendre qu'effectivement, vis-à-vis de la Russie, les Anglo-Saxons utilisent la fameuse méthode qui leur a réussi depuis 2 siècles, c'est ce qu'ils appellent le containment. Ils étranglent, ils asphyxient. Bon. Exactement. Et donc, il est bien évident que la Russie, nous pourrons en parler, n'a pas besoin de nouveaux territoires. Bon, ils étaient perdus et que l'OTAN, de toute façon, même si l'OTAN était loin, si, en termes de défensif, bon, enfin bref. Donc, vous avez l'OTAN qui est poussé alors qu'il a parlé de l'engagement et il a eu l'honnêteté de dire que c'était verbal. Donc, c'est un signe d'honnêteté réaliste. C'est qu'en 1990, les engagements ont été pris pour ne pas, si vous voulez, donc, de rapprocher, élargir l'OTAN. Voilà, il le dit. Et il dit bien que ça n'a pas été par écrit, mais ça l'a été. Alors, on peut continuer. Bon. Et il donne la clé. La clé des États-Unis, nous allons en parler, c'est un État prédateur. Il y a un aigle, d'ailleurs. Et là, je voulais vous dire quand même, pour ne pas oublier, c'est que la magie noire de Macron, évidemment, c'est une magie anglo-saxonne. Bon. Et le symbole de cette magie noire, c'est la Statue de la Liberté. Il ne faut jamais oublier que la Statue de la Liberté aux États-Unis, ça éclaire un cimetière, un génocide. C'est-à-dire que quand même, ils ont réussi leur coup. Ils ont fait disparaître tous les habitants qu'il y avait avant eux. Et une fois qu'ils exterminent la population, les peaux rouges, ils disent « Vive la liberté !» La liberté, oui, la leur. Et il y a une phrase qui est très importante par rapport à l'OTAN. Parce qu'il faut bien étudier la culture, et c'est très bien expliqué dans Alexis de Tocqueville, dans « De la démocratie en Amérique ». Les Indiens, les peaux rouges, qui n'étaient pas des sauvages au sens où on l'entend, hein, il y a eu 2 millions qui ont été votés en Californie pour scalper les Indiens, c'est toute l'horrible histoire des États-Unis. Eh bien, il y a une phrase superbe, terrible d'un Indien, parce que
De même qu'actuellement l'OTAN avance évidemment vers la Russie, et je vais vous donner la phrase de Poutine qui est dans le texte, qui est très intéressante, parce qu'on ne fait plus d'explication de texte maintenant à l'école. On ne sait plus expliquer les textes. Bon. Eh bien, il y a une phrase terrible, les Indiens ne comprenaient pas. Parce qu'en partant de, si vous citez la ruée vers l'ouest, de la côté, ils avançaient. Et Tocqueville dit, ils avaient besoin des animaux, donc les envahisseurs américains faisaient du bruit, donc les bêtes partaient, donc les Indiens suivaient les animaux. Et il disait qu'ils devaient se diviser, et en se divisant, ils rencontraient la guerre, et ils en oubliaient jusqu'à ce qu'ils étaient eux-mêmes. C'est ce que dit Tocqueville, qu'il a annoncé. Bon. Et ce qui est terrible, c'est que les Indiens ne comprenaient pas, parce qu'ils les repoussaient, puis après ils les mettaient dans les réserves, et puis après on les élimine. Bon. Et il y a un Indien qui a cette phrase super qu'il ne faut pas oublier vis-à-vis de l'OTAN, « Pourquoi veulent-ils tout ?» Ils ne comprenaient pas. Parce qu'entre eux, les Indiens faisaient la guerre. Ce n'était pas forcément les beaux rouges. Mais ils ne voulaient pas tout. Et c'est là qu'on arrive au droit de la guerre. Les États-Unis trahissent les droits de la guerre. Ils veulent tout, 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 tout. Ce sont des prédateurs. Ce sont des carnassiers. Il faut voir comment ils ont conquis, par exemple, Cuba. Il faut reprendre toute l'histoire. Ce sont des prédateurs. Ils veulent tout. Et que dit Poutine dans ce texte, qui n'est commenté par aucun journaliste alphabète, et puis de toute façon, qui sont aux ordres, ils lisent les communiqués. Il dit, en parlant des États-Unis, ils ne veulent pas avoir un grand pays indépendant comme la Russie. Et tout le monde sait que l'objectif de la CIA, l'objectif du Pentagone, c'est d'empêcher qu'aucune puissance puisse faire concurrence aux États-Unis. Et évidemment, Poutine, il a le plus grand pays du monde. Vous comprenez bien qu'il n'a pas envie de s'étendre, il a assez de problèmes. On pourrait parler de la population, on pourrait parler de la Chine. Donc, accuser la Russie de vouloir s'étendre, c'est un contresens absolu. C'est un mensonge. Et là, c'est totalement magique pour le coup. C'est totalement magique. Voilà, c'est cette magie noire que vous décrivez. Croire l'inverse de la réalité. Alors, on a, puisque je parlais de l'art de la guerre, ça existe à Babylone depuis 2000 ans. Il faut attendre les États-Unis et les Anglo-Saxons pour que ça disparaisse. Et Machiavel a de très belles formules. Dans le combat antique, on tue l'ennemi. Bon, il y a l'esclavage qui sort derrière. Bon, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le droit de la guerre, d'abord, les peuples se sont toujours battus. Et pourquoi est-ce qu'il y a un droit de la guerre? Eh bien, parce qu'il y a un principe, c'est un principe qui est bien indiqué par les Romains, Salus Populus, Suprema Lex, le salut du peuple est la loi suprême. C'est-à-dire qu'on a le droit de survivre, on a le droit d'exister, on a le droit de se défendre. Bon. Et donc, je prends un exemple très simple, vous prenez Louis XIV. Pourquoi est-ce qu'il a conquis la Franche-Comté? Parce qu'il voyait qu'il y avait un saillant de l'Empire, donc il se protégeait. Alors évidemment, ce n'est pas toujours facile à traduire en équation. Mais la grande loi, c'est qu'on a le droit de se défendre. Hein, c'est le droit de survie, la légitime défense. Donc la première chose qu'il faut voir quand on étudie le droit de la guerre, et on parlera après du président ukrainien qui vient de lancer un appel, parce qu'il veut rejouer la guerre d'Espagne. Il veut rejouer les massacres. Oui, c'est horrible. Cet appel aux civils européens pour venir rejoindre ses rangs contre les Russes. Alors ça, c'est une immondice. Ouvrons les yeux. C'est-à-dire que dans le droit de la guerre, je vous dis, donc qui est un droit immémorial, parce que ceux qui disent que la guerre, c'est mal, c'est eux qui l'ont créé. C'est comme la Révolution. À la Révolution, ils ont dit, il y avait une fameuse phrase de Saint-Just, « On ne règne pas innocemment, la folie en est trop évidente ». Le pouvoir, c'est mauvais, c'est ce que dit Montesquieu. Mais ce qu'ils ont dénoncé, ils l'ont multiplié par 100 000 et 100 000. Hein, ça fait la terreur. Je rappelle que la terreur est une invention sur le sol de France, hein, à ceux qui jouent les droits de l'homme et compagnie. Tout à fait. Les révolutionnaires eux-mêmes. Le terrorisme, c'est le fils, si vous voulez, des droits de l'homme. Je peux vous le démontrer, c'est très simple. D'ailleurs, l'histoire l'a démontré. C'est même pas la peine de le démontrer. Donc, ceux qui jouent les oies blanches, ce sont les tartuffes. C'est toujours l'inverse, si vous voulez. Bon, c'est le corps. Alors, ce qui est important, c'est dans ce droit de la guerre, si vous voulez, c'est qu'il y a effectivement le droit de se défendre et il faut identifier, si vous voulez, la guerre défensive et la guerre offensive. Et il est bien entendu que la guerre, c'est ce qui ressort de la lecture du discours du président Poutine, qui n'a pas été contesté. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il ne conteste pas. Il y a un autre discours qui n'est pas accroché. Hein. C'est comme dans les propositions de décembre du président Poutine. Il n'y a pas de réponse. J'ai travaillé avec en face les Anglo-Saxons pendant des années sur de gros procès. Je peux vous dire que
Ce sont effectivement des tricheurs nés, ce sont des prédateurs nés, ça c'est sûr. Et ils répondent toujours à côté, enfin ce sont les maîtres. Bon. Et donc c'est une guerre, on pourrait voir, défensive. Bon. Et il y a un grand principe des lois de la guerre qui n'était pas appliqué partout, mais c'est le but, c'est justement d'éviter les victimes. On fait la guerre, mais ce n'est pas pour exterminer. Enfin, c'est les droits de la guerre, les bons droits de la guerre, si je peux dire. On fait la guerre, on a un objectif, on se défend, mais le but, c'est d'éviter les souffrances. Et là, on parle actuellement des représailles, etc., etc. Et ce qui est capital, c'est que lorsque vous avez un commandant de troupes qui s'obstinait à se défendre, alors qu'il était vaincu, c'est le cas de l'Ukraine, sauf que si on explique que c'est qui va gagner, le président. Eh bien, ça, c'était un crime de guerre. Et ils étaient même passés par les armes. C'est-à-dire qu'une ville qui se défendait, dans certains cas, je dis, voir ça avec nuance, c'est prendre. Mais le principe, c'est quand on continue à provoquer la mort d'hommes, les souffrances, alors qu'on n'a aucune chance de gagner, on est le criminel et on est passible d'être exécuté. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est un principe. Alors, il y a divers principes. Et donc, actuellement, quand vous avez les États-Unis, parce que ce sont les États-Unis qui actuellement sont en train d'empocher la guerre, il faut bien imaginer que les Ukrainiens se battent pour les États-Unis, nous allons en parler. Il est évident qu'ils ont un plan. Ils ont un plan et ce plan est très simple. Ceux qui vont payer les sanctions, ce sont les Français, ce sont les Européens. Et ce sont les Européens. Mais ceux qui vont empocher, c'est les États-Unis. Il y a tout le plan économique qui est derrière. Je vous rappelle que les États-Unis, qui sont des fiefs et menteurs, je ne vais pas vous rappeler ce qu'ils ont fait au Kosovo. Je ne vais pas vous rappeler la première guerre d'Irak de 1991. Ignoble la guerre d'Irak. Ignoble. Si je peux me permettre, M. Pinsky, un chiffre clair, 500 000 enfants morts tout de suite après la première guerre du Golfe et juste avant la deuxième, en embargo sur les produits laitiers et pharmaceutiques en Irak. Oui, c'est un point, mais le point que je soulevais, Madeleine Albright, d'ailleurs, hein. C'est un point très logique, c'est-à-dire que il y a une perfidie anglo-saxonne parce qu'ils ont fait croire, les États-Unis ont trompé l'Ukraine. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Comme les chiites qui ont soutenu les États-Unis contre Saddam. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont des plans. C'est comme, je le tiens de très près, par Paul Reynaud. C'est-à-dire que Paul Reynaud croyait que les États-Unis allaient intervenir contre l'Allemagne. Mais les Anglo-Saxons, ils ont une méthode. La méthode britannique, et je vous la dis très court, c'est de monter, d'avoir des personnes qui se battent pour eux et d'intervenir tout à fait à la fin quand les prétendus alliés sont épuisés. Donc la trahison, l'Ukraine est trahie par les États-Unis, l'Ukraine est trahie par Macron. Bien entendu, alors, parce qu'ils ont fait croire qu'ils allaient rentrer dans l'OTAN pour les piéger, ils ont fait croire qu'ils étaient protégés en leur donnant des armes. Mais alors quid de la France, monsieur Pinsky, quid de la France, parce que la France passera au même cadre que l'Ukraine. C'est-à-dire que la France servira de chair à canon pour les États-Unis. Étape par étape, n'affolons pas les banlieues, bon, si je peux dire. Billancourt et les autres, ni la province, ni les villes. Non, soyons clairs. Ce qu'il faut comprendre, c'est le cynisme absolu des Anglo-Saxons. Absolu. C'est-à-dire qu'ils ont un plan, ils savaient ce qui allait se passer, ils ont piégé les Ukrainiens en faisant croire qu'ils allaient les aider. Et puis, c'est comme. On va parler du discours de Macron. Ah, je suis à vos côtés. Vous vous rendez compte la perfidie du langage. C'est-à-dire pendant qu'il y a des gens qui se battent, lui, il est tranquillement dans son palais. Je suis à vos côtés, mourez courageusement. Mais on ne sait plus lire, c'est abominable, parce qu'il y a des morts. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans ce que je vous dis, il faut de la... Et là, c'est de la chair à canon, vous en avez parlé, c'est-à-dire que les États-Unis... Alors, le piège, il est très simple. Les États-Unis ne pensent qu'à du pouvoir, rien que du pouvoir, que du pouvoir, etc. Bon. De Gaulle, je vous rappelle, n'a jamais commémoré le débarquement. Parce que ceux qui savent l'anglais savent que ils appelaient ce qu'on appelle libération en France, en anglais, ils appellent ça invasion. C'est-à-dire que le débarquement, c'est l'invasion de l'Europe, pour dominer l'Europe. Qu'on il faut savoir lire à double sens, le double langage. Bon. Donc, actuellement, pour l'Ukraine, qu'est-ce que c'était ? Vous prenez, il y a deux siècles, au moment de la Révolution, les États-Unis avaient à peu près 1 million d'habitants, la France 26 millions, la France dominait le monde par son intelligence, par son art, par sa beauté, par sa langue. Et puis il y avait un petit groupe de gangsters qui s'appelaient les Anglais, bon, qui avaient évidemment la flotte. Bon. Eh bien, comment expliquer que la France qui était au sommet est tombée au fond du trou, avec la langue française qui n'est même plus défendue,
parce que nous devrions avoir la langue française, la langue d'Europe, avec un chef de la France qui parle anglais. Comment se fait-il que la France soit tombée si bas et que cette bande de pirates anglo-saxons soit montée si haut? Eh bien, parce qu'ils ont une méthode. Ça s'appelle la magie noire. Et comme nous sommes aveugles, nous sommes exterminés petit à petit. La désindustrialisation, la perte de la langue et compagnie. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font en Europe? Ils ont très peur que la France joue son rôle, que l'intelligence française revienne. Et je vous rappelle que la langue française est compatible avec le russe. On peut s'entendre avec Poutine en termes de réalisme. Mais ils ont très peur. Nous avons une histoire commune. Bien sûr, nous avons une histoire commune avec la Russie, contrairement aux États-Unis. Ils continuent à nous aveugler. Bon, la langue française était parlée à Saint-Pétersbourg. Et puis, il y a l'art. Vous prenez l'art français que vous voyez à Saint-Pétersbourg. Non, nous nous comprenons parce que nous sommes des réalistes. Nous avons de vraies valeurs et pas des valeurs creuses de la liberté à l'envers qui vous amène à la guillotine. Ça, c'est le langage nominaliste. Bon. Donc, ils ont très peur que l'Europe reprenne sa place. Je vous rappelle qu'au début du XXe siècle, toutes les ambassades étaient européennes. Et donc, actuellement, nous sommes occupés parce que l'invasion, sont les anglo-saxons qui l'ont faite. Ça a commencé en 1914. Ils ont laissé nos troupes mourir. Et puis, quand nous étions bien exsangues, à ce moment-là, très simplement, il y a Wilson qui a fait les 14 points de Wilson, le 8 janvier 1918, avec ses principes de nationalité qui a permis d'affaiblir l'Autriche-Hongrie, qui était un pôle de stabilisation en Europe, et de renforcer l'Allemagne pour faire le deuxième tour. C'est celui qu'on appelle Clémenceau, le père de la victoire, c'est le père de la défaite. C'est-à-dire qu'il s'est couché dans les États-Unis et c'est dans les principes de Wilson qu'est préparée la Deuxième Guerre mondiale avec l'intervention du maréchal Foch qui a été interdit de conférence de la paix. C'est-à-dire que la France a gagné la guerre sur le terrain, mais l'a perdue en définitive parce que le traité a été fait par les anglo-saxons dans le but d'envahir l'Europe. C'est l'invasion de l'Europe qui se prépare. Et alors maintenant, pour faire très court, qu'est-ce qui se passe? Ils veulent absolument que la Russie ne s'entende pas avec l'Europe. Donc il faut qu'il y ait une femme dans un placard. Et c'est pour ça qu'actuellement, vous avez tous les médias qui poussent « battez-vous, battez-vous, tuez du russe, etc. » parce qu'il faut pour la photo, il faut qu'il y ait du sang. Et à ce moment-là, s'il y a du sang, s'il y a un fossé de sang entre la Russie, je fais ça, et l'Europe, alors là, c'est génial pour la propagande. Et on dit qu'il est fou, il a ça. Donc tout ça, c'est d'une cuisine absolument abominable. J'ai connu quelqu'un qui était avec Churchill et qui travaillait au LCS, qui était sous Westminster, c'était le local central service qui était chargé de répandre les attentats en Europe et qui me disait que son père lui avait dit qu'il faisait des atrocités derrière les lignes allemandes telles que les Allemands ne pouvaient pas y croire. Voilà ce que c'est que les anglo-saxons, la perfide Albion que nous connaissons, avec le prince Moir, on peut en parler. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons affaire à des gens impitoyables qui veulent tout. Rappelons-nous les Indiens, ils n'ont eu aucune pitié pour les Indiens, aucune pitié. Aucune pitié, ils ne comprenaient pas les Indiens qui étaient évidemment bien plus civilisés que les anglo-saxons. Donc c'est ça, ce sont des gens impitoyables. Mais une fois qu'on a compris le personnage, moi j'ai travaillé dans ces milieux-là, eh bien à ce moment-là, l'aveuglement disparaît. Actuellement, il faut sauver l'Europe. Il est évident que si Poutine avait été quelqu'un, si le président Macron existait, eh bien il aurait passé un accord avec Poutine. Et l'accord, on peut très bien le définir, puisque dans le discours dont nous parlons du président Poutine, il explique exactement ce qu'il veut. Là, je passe. Il veut dire ce que demande le président Poutine. Et c'est dans ce texte auquel personne ne répond. Nous acceptons qu'il y ait des médiateurs qui n'écoutent pas ce qu'on dit. Mais les gilets jaunes que vous représentez, est-ce qu'ils ont été écoutés? Absolument pas. Il y a eu un monologue du fameux grand débat, prétendu débat. Il parle tout seul. Mais comment un peuple, quand même, qui fut civilisé, peut accepter d'avoir des représentants qui ne l'écoutent pas? Il n'y a aucun, bon, rien. Eh bien, Poutine, il est traité comme les gilets jaunes. Vous pourriez peut-être lui donner une décoration, tiens, d'aller à Moscou et puis le décorer de la croix des gilets jaunes. C'est pareil, on a affaire à des gens qui sont, évidemment, Macron a l'air gêné en disant « nous ne sommes pas en dictature, mais c'est un nominaliste ». Tout le monde, il a une chambre croupion, il a un conseil d'État croupion, etc. Il est évident, comme le disait très bien André Tardieu, ce sont les mêmes, ils contrôlent tout.
Ce n'est pas par hasard que vous avez l'accélération de la justice quand il s'agit de Fillon et puis le ralentissement quand c'est autre chose. Bon, donc, on est. Donc, ce qui est très important, c'est que ni Macron, ni personne n'a répondu à ce qu'a dit le président Poutine. Bon, les accords de Kiev ont été trahis. Et quand vous avez Macron dans son texte qui dit qu'effectivement, vous avez le. Les accords de Minsk, vous voulez dire, non? Oui, qu'est-ce que j'ai dit? Les accords de Minsk plutôt. Vous avez dit les accords de Kiev. C'est ça, oui, c'est Minsk. Les accords de Minsk, ils ont été évidemment trahis. Bon, et lui, il a tout à gagner. Donc, il est évident. Alors, il avait été signé. Alors, si vous allez sur Internet, vous voyez qu'ils ont été signés par le président ukrainien. Mais aussitôt, on vous dit, ah, mais ils n'étaient pas d'accord après. Mais ils n'étaient pas d'accord après, ça a été signé. Et ça a réglé le problème. Donc, quand vous avez le président Macron, qui est un menteur, un super menteur et un ultra menteur, bien plus que Chirac, qui ose dire que le président Poutine n'a pas tenu sa parole, c'est un menteur. Mais qui le relève? Mais quelle inversion accusatoire! Mais quelle inversion accusatoire dans cette histoire des accords de Minsk! Donc, c'est vrai que ça, c'est incroyable. Actuellement, nous sommes livrés à nos propres forces, si vous voulez, parce qu'effectivement, il n'y a pas les relais que nous devrions avoir, ni à la Chambre, ni dans les médias. Et donc, c'est pour ça qu'il faut prendre la relève. C'est ce que, avec votre émission, nous tentons de faire, nous devons faire, nous devons aboutir. Mais il faut bien comprendre ce qu'est ce système. Ce système de mensonges. Alors, je reviens. Si j'avais été, moi, président, si je peux dire, pour prendre la fameuse phrase, en rencontrant Poutine, je faisais un accord avec Poutine, nous avons passé un accord pour défendre la paix et l'Europe, et la démocratie, et tout ce qu'on veut. Et cet accord, il est simple. Le président Poutine demande trois choses, et on ne lui répond pas. Premièrement, bon, il voulait... que mon pays, premièrement, attendez, je suis en train de le prendre, première chose, non-élargissement de l'OTAN. Ah, d'accord. Bon, premier principe. Deuxième principe, pas de réarmement de l'OTAN, pas d'avancée du système d'armement de l'OTAN. Deuxièmement. Troisièmement, donc, reprendre la position qui avait été prise en 1999 sur l'acte de sur le statu quo sur l'OTAN. C'est très simple. Alors, on peut le formuler de trois, il aurait pu rajouter des questions, c'est tout. Et moi, j'aurais été le président Macron, s'il existait, puisque c'est un ventriloque, j'aurais dit, écoutez, le président Poutine dit une seule chose, c'est qu'on n'écoute pas. Eh bien, grâce à moi, qui assure la présidence de l'Europe, on va être obligé de lui répondre. Et moi, je m'engage sur sa demande à ce qu'on lui réponde réellement, en vérité, et non pas par des formules creuses. Voilà, si ça avait été un homme, le président Macron, et non pas ce qu'il est, dont nous parlerons peut-être tout à l'heure, eh bien c'est ce qu'il aurait fait. C'est tout. C'est très simple. Et moi je dis que c'est très simple. Quand on lit le texte du président Poutine, ça veut dire quelque chose. Mais quand on lit ce que dit Macron, nous allons en parler, c'est de la magie noire, c'est-à-dire c'est la manière de ne pas répondre en faisant croire qu'on a répondu. Alors, je passe sur le reste de ce qu'a dit le président Poutine, mais là, on a un langage réaliste qui décrit un phénomène, qui décrit le phénomène pourquoi ça ne marche pas, qui décrit qu'il est obligé de se défendre, parce que quand vous avez des forces, il s'est intéressé ce qu'il dit, il donne les fusées, les armements qui avancent constamment, leur portée, à 4 minutes, c'est supersonique, 35 minutes, c'est précis ce qu'il dit. Et comme je vous l'ai dit, les réalistes croient à la vérité des mots, c'est-à-dire que le président Poutine croit à la vérité de ce qu'il dit, mais en face, vous avez un super, super, super menteur de la magie noire qui croit au pouvoir des mots et qui, sachant que les Français sont drogués de mots depuis deux siècles, avec des mots évidemment qui les tuent, liberté c'est l'esclavage, ignorance c'est la force, compagnie, donc le langage inversé, eh bien, il sait qu'il va être entendu. Parce que vous avez remarqué quand même que, citons personne, mais tous ceux qui prétendaient être dans l'opposition, eh bien, finalement, sont tous couchés devant une formule canonique qu'il faut prononcer pour parler comme le président Macron, l'OTAN et compagnie, pour condamner ce qu'ils veulent condamner et compagnie, mais sans, par réflexe. De même que dans cette fameuse épidémie, tout le monde s'est couché devant un mot magique, des mots magiques, sans se demander ce que ça voulait dire. Donc, je répète, c'est un message vis-à-vis du président Poutine, s'il m'entend, et puis du président Macron qu'on le dira. Il n'y a qu'une seule chose, le crime, c'est de ne pas répondre au président Poutine. Ça, c'est le crime contre l'esprit. C'est un crime.
Et je ne vais pas vous raconter l'histoire de la guerre 14, ça a commencé comme ça. Parce que maintenant, on commence à parler, vous avez un certain Jean-Yves Le Drian, vous direz, bon. Pareil qu'il est, bon, Catastrophique, Jean-Yves Le Drian. Qui commence à faire le malin, si vous voulez, en disant, mais nous aussi, nous avons des gens. Bon, je ne vais pas vous rappeler ce qui s'est passé après Sarajevo. Alors, on ne sait jamais ce qui peut se passer avec des fous, parce qu'on dit que Poutine est un fou. Mais non, c'est Jean-Yves Le Drian qui peut rentrer dans cette catégorie. Il ne faut pas commencer à agiter la bombe atomique. Surtout que je vous dis, le problème est simple. On a quelqu'un qui a le devoir de protéger son pays. Vous avez des prédateurs qui ont envahi l'Europe. Je vous rappelle que les Américains n'ont rien à faire en Europe. Rien à faire. Mais depuis 14, ils ont tout fait pour prendre, pour envahir la France. Ils ont joué la première partie. Je vous rappelle que le Congrès américain n'a pas voté le traité de Versailles, alors que le traité de Versailles sortait des propositions du président Wilson. Donc, une fois que vous avez compris que ce ne sont que des menteurs, que des prédateurs, que des pillards, vous êtes sur la voie de la solution. Et la voie de la solution, c'est que le président Poutine a dit quelque chose. Moi, je veux bien servir de médiateur. Je dis ça avec tout l'humour qu'il faut. Je sais ce que les choses. Il y a une méthode très, très simple. Moi, j'ai travaillé dans ce domaine. Quand quelqu'un pose des questions, il faut répondre. Et le crime, ce que je condamne, c'est l'agression qui consiste à ne pas avoir répondu en bonne et due forme au président Poutine. Et je veux bien servir de médiateur. C'est ça le crime. Ça serait excellent. Eh bien, écoutez, on peut éventuellement faire cette demande officiellement écrite au nom d'une multitude de citoyens, citoyens français, à l'adresse du président Votriloque pour qu'il accepte cette médiation entre vous et Poutine. Bon, ça serait merveilleux. Une question. Ça serait merveilleux. Non élargissement de l'OTAN, non avancement des systèmes offensifs et non pas défensifs. Troisièmement, revenir à l'accord de 1919. Et puis un traité d'accord en Europe. Donc en fait, si vous voulez, quand vous avez une action offensive, est-ce qu'il faut condamner le poignard? Est-ce qu'il faut condamner la main? Ou est-ce qu'il faut condamner la tête? Ou est-ce qu'il faut condamner celui qui a ventriloqué la tête? C'est ça la question. Et vous avez toute cette bande d'illettrés pensionnés qui tout de suite condamnent comme ça, etc. Non, il faut étudier le processus. Et je veux dire que si on veut, c'est la fameuse phrase de Bossuet, Dieu se moque de ceux qui condamnent, qui se plaignent des effets qu'ils ont eux-mêmes provoqués. Mais là, c'est pire que la phrase de Bossuet. Parce que tout est bien préparé. Et les dindons de la farce, ce sont les Européens. Parce qu'il faut nous réunir. Je prends un exemple très simple. Parce que les intérêts de la France, le président Macron n'en a rien à faire. Vous comprenez son bien. Quand vous voyez les sanctions de 14 que ça a produit, je prends un exemple, des exportations françaises, on a encore des limitations, eh bien, si vous voulez, ces sanctions ont permis à la Russie, tant mieux pour elle, de créer une industrie agroalimentaire. Bon. Donc, quand vous prenez intelligemment, comme je sais le faire, dans un bon tableau Excel ou un autre, les sanctions à qui ça va coûter, eh bien, figurez-vous que c'est à nous que ça va coûter, évidemment. Et qui va empocher? Les Américains. De deux manières. Industriellement, je ne parle pas du gaz, de Nord Stream 2 et compagnie. Oui, la question de Nord Stream 2. En divisant l'Europe. Alors, avec en plus le danger, la Chine qui est derrière, parce que Poutine, effectivement, a été jeté dans les bras de la Chine. Donc, tout ça, il faut une lecture vraiment politique et magique. C'est-à-dire que la magie empêche les peuples de se prendre en charge. Et donc, il faut. Le crime, c'est de ne pas répondre clairement devant l'opinion. Parce que je vous rappelle que Wilson avait dit qu'il ne fallait pas de diplomatie secrète. Mais c'est ce qu'il a fait. On est dans la diplomatie opaque, secrète et compagnie, comme pour une certaine médecine dans laquelle il y avait un consentement éclairé. Il n'y a absolument pas eu de consentement éclairé. Donc, le peuple est aux abonnés absents, les intérêts de la France aux abonnés absents, et le grand crime de cette magie noire, c'est de nous tuer sans que nous sachions même par qui nous sommes tués. Voilà. Effectivement, tout l'objectif est là, en fait, c'est de trouver qui sont ces ventriloqueurs qui sont derrière tout cela, et vous l'avez parfaitement remonté jusqu'à cette élite anglo-saxonne que l'on connaît bien sous le nom d'oligarchie mondialiste et financière. Excusez-moi, ce n'est pas l'élite anglo-saxonne, c'est la pègre anglo-saxonne. Les criminels. Bon, les criminels, les mafieux, les arnaqueurs, il y a tellement de mots qu'on pourrait mettre dessus que... Alors, dans la magie, si vous voulez, il faut bien comprendre que la magie consiste à enfermer dans un cercle. Et le fameux cercle, c'est l'assèchement, si vous voulez. Actuellement, ils ont d'abord encerclé la Russie,
Ensuite, ils font ce qu'ils appellent le containment. Ensuite, ils appellent l'union. L'union, c'est l'union du massacre. Ce qu'ils appellent l'union, c'est les prédateurs. Vous voyez les hyènes qui s'unissent. Là où est le cadavre, là sont les vautours. Et puis après, maintenant, ils veulent assécher. Alors, leur technique, c'est d'assécher financièrement, économiquement. Donc, ce sont des méthodes de magie. Mais il faut bien comprendre qu'ils ont toujours une idée d'avance. Alors, parlons du droit. Alors, je vais prendre le texte du président Macron. Bon, donc, si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre, je vais lire le texte Macron, c'est très simple. Cette nuit, les Russes ont engagé une attaque, etc. etc. Bon. Ce choix délibéré, donc c'est toujours la culpabilisation. C'est le choix délibéré, ce n'est pas un choix, c'est délibéré, mais un choix, il est forcément délibéré. Bon, donc, vous voyez, le nominalisme. Les engage pas, continue à tous, les engage, non seulement, les engagent les autorités russes, etc. C'est une violation de la charte des nations, enfin oui, ça, tout ça c'est la poudre aux yeux, du principe fondamental de l'ordre européen. Mais justement, Poutine voudrait un ordre européen, parce que c'est tout à son avantage, parce qu'il y a actuellement beaucoup de problèmes dont nous voulons parler. La Russie, il a le plus gros pays du monde. Vous comprenez bien qu'il n'a pas besoin de conquête, il a assez de problèmes à l'intérieur, notamment des problèmes de démographie. Bon, donc il est évident qu'il est dans une position défensive. De cette épreuve, la France se tient aux côtés de l'Ukraine. L'immense hypocrisie. On appelle les Ukrainiens à se faire massacrer et à massacrer les Russes, mais on se tient à leur côté, mais à distance. Mais rien qu'une phrase comme ça, ça disqualifie totalement son auteur. Bon, et il veut saluer le courage et la détermination du président, des autorités, du peuple ukrainien. Catastrophiste. Ça, c'est de la magie noire. C'est des mots. Armons-nous et partez. Bon, leur liberté... Et la nôtre, vous avez quelqu'un qui est actuellement en train de causer chez lui, l'autre il est sur la plage en train de se dorer la pilule et dit votre liberté c'est la mienne. Non, mais enfin, on est chez les fous là. Hein. C'est l'absurdistan qui ont dénoncé les Allemands récemment. Bon, et bon, ils refusent, alors bon, ils parlent, bon, en choisissant la guerre, le président Poutine n'a pas seulement, alors ça c'est les grandes phrases grandiloquentes à la Victor Hugo. Vous savez, qui dit que le désastre de la Bérézina, c'est une victoire. C'est comme l'arc de triomphe. L'arc de triomphe en France, c'est l'arc de la défaite. Il manque une seule victoire, c'est Waterloo. C'est-à-dire que ce ne sont que des morts, Napoléon. Ça a rétréci la France. Ça l'a rendue impopulaire. Bon, donc, et un arc de triomphe. Non, c'est un arc de la honte, cet arc de triomphe. Bon, en choisissant la guerre, le président Poutine n'a pas seulement attaqué l'Ukraine. Il a décidé de bafouer la souveraineté. Quand on attaque quelqu'un, on ne bafoue rien du tout. Hein, c'est la guerre. Donc, ça sont des mots. C'est des mots à la macreux, quoi. C'est des mots à la macreux. Bon, il a porté atteinte à la plus grave, à la paix. Oh là là, des mots grandiloquents, à la stabilité de notre Europe depuis des décennies. Toujours les grands mots, si vous voulez. Les grands mots de. Ça, c'est la magie noire qui vous plonge dans le noir. Nous avons anticipé ensemble cette grive. Alors, il prétend qu'il a anticipé, alors qu'il annonçait une rencontre. C'est l'inverse, c'est le canard enchaîné qui a donné le meilleur titre, la meilleure gifle au président Macron en disant « Macron a été recalé à l'Oural ». Voilà la bonne formule, Macron recalé à l'Oural. Mais lui, c'est ça le mensonge, il fait croire qu'il avait prévu, toujours. Bon, à cet acte de guerre, nous répondrons sans faiblesse. C'est incroyable, quand vous avez une guerre, si vous ne soutenez pas militairement ceux qui sont envahis, ben c'est plutôt la faiblesse. Je crois que c'est comme ça que les Ukrainiens le sentent. Ils sont complètement abandonnés, c'est-à-dire que comme je vous dis en Irak au sud, les chiites ont été abandonnés par les Américains, c'est leur truc classique. Hein. Ils font se battre les autres et puis les abandonnent. Là, ils ont été poussés, on leur a apporté des armes, des tas de choses, et puis après, tout le monde fuit et on les laisse seuls. Voilà lâcheté, l'hypocrisie et la perfidie anglo-saxonne à laquelle s'associe le président Macron, bien entendu. Bon, après, le président Macron a dit, il a parlé de soutien militaire, d'ailleurs. Alors, un militaire, c'est un soutien, c'est-à-dire qu'on a des canons, on les pointe, mais on ne fait rien. Non, mais c'est vraiment, c'est une honte, c'est une honte, et c'est pire que ça, nous le verrons tout à l'heure, j'espère. Voilà, donc on peut, alors après, c'est les mots qui se terminent, en cette heure terrible, faisant revenir les fantômes. Alors, il voit les fantômes, c'est très bien. Ça, c'est ah, bien. Il en arrive aux heures les plus sombres de l'histoire, évidemment. Et il faut s'attendre
à ce que les manipulations soient nombreuses. Il en sait quelque chose puisqu'il ne fait que ça. Ah, bah, c'est le maître manipulateur par excellence. Bon, alors il en appelle à l'unité. À l'unité, il faut garder les principes de notre unité qui nous protègent, liberté, souveraineté, etc. Toujours les grands mots de la magie noire. On agite liberté que nous avons vécu récemment, tellement libre, confiné et compagnie. Donc, il faut toujours lire à l'envers la magie noire. Et nous sommes, voilà. En tout cas, c'est ces principes. Alors, ces principes liberté, souveraineté, démocratie. Dès que vous entendez démocratie, liberté, vous avez compris que la prison n'est pas loin. Bon. Ou la spoliation. Les principes. Ce sont ces principes qui nous ont fait et continueront à nous tenir ensemble. Oui, c'est vrai, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont ces principes qui nous tiennent prisonniers et nous aveuglent. Il faut bien comprendre que ces mots sont des mots tueurs, des mots d'aveuglement. Ce sont les mots qui nous empêchent de voir la réalité. Alors d'un côté, en résumant, vous avez, et ça qui dure pendant une heure, vous avez vraiment un dossier que présente Poutine avec une demande en trois points, si vous voulez. Bon. Et ces trois points sont de la protection. Il ne veut pas qu'on avance, que l'OTAN avance avec ses armes offensives. C'est simple. Bon, et ça, pas de réponse. Et donc, si vous voulez, la félonie, je pèse mes mots, du président Macron, c'est de ne pas avoir remarqué ce qui crève les yeux. C'est que le président Poutine a dit qu'il était obligé. Il est évident que quand vous avez quelqu'un qui vient vers vous et qui vous menace de plus en plus, quand vous pensez qu'en Ukraine, il risque d'y avoir des armes, évidemment, des armes atomiques, enfin des fusées de ce genre-là, il est évident qu'il vaut mieux prévenir. Je vous rappelle que les États-Unis, les super menteurs en Irak, avec les armes de destruction massive, avec Colin Powell qui a osé tromper le monde entier, les yeux dans les yeux, c'était une guerre préventive. Donc vous voyez que ce qu'ils ont fait en Irak, le président Poutine est fondé à penser qu'il risque de tirer le premier. Il en parle dans son discours. Et la honte, c'est qu'il n'y ait, je n'ai vu aucune analyse de ce texte, nul journaliste, personne, en disant, attendez, la situation est simple, il faut lui répondre. Il faut lui répondre, tout simplement. Et d'ailleurs, dans son texte, le président Poutine dit qu'on ne lui répond pas, c'est très clair, ou qu'on répond à côté. Donc il faut un grammairien, il faut quelqu'un qui connaisse le français. Bon, donc voilà, je vous dis, c'était bon. Alors après, on est dans le langage ventriloque. En fait, les anglo-saxons, qu'on ne parle pas d'Occident, parce que dans l'Occident, on met l'Europe et les États-Unis. Les États-Unis sont les prédateurs. Donc, ne parlons surtout pas d'Occident, comme ne parlons pas d'élite anglo-saxonne. Bon, ce sont les pirates, avec Drake, on pourrait parler de l'histoire de Drake. Et donc, ils se réclament du droit. Vous l'avez entendu, le président Macron se réclame du droit. Mais le droit, c'est un truc, c'est le truc des tricheurs, le droit. Ce qu'il faut, ce n'est pas le droit, c'est la justice. Donc, le nominaliste Macron réclame le droit, c'est-à-dire qu'un truc pour rembobiner les gens qui ne veulent rien dire. Et effectivement, ce que demande le président Poutine, c'est la justice, le droit de protéger son peuple, le droit de se défendre. C'est ça, c'est le droit de la guerre qui était un droit normal. Et Macron a passé sous silence totalement tous ces morts au Donbass russophones. Voilà. Qui ont été massacrés par le bataillon Azov et les milices néo-nazis. Le temps passe, le pense avec vous, c'est charmant, le temps passe vite, s'il est bon. Et donc, c'est bien la guerre de la magie noire et la magie blanche. La magie blanche, c'est l'enchantement de la vérité, l'enchantement de la politique, l'enchantement, je dirais même, de faire le maximum pour que la guerre ait le minimum de victimes. C'était le principe du droit de la guerre. C'est qu'il faut nuire. C'est l'article 22 qui a été repris à La Haye, d'ailleurs, à La Haye, dans la deuxième conférence de La Haye de 1907, l'article 22. C'est c'est pas un droit illimité de nuire à l'ennemi. C'est-à-dire qu'il y a cette idée qu'il faut réduire au maximum les souffrances et la mort. C'est ça, cette idée. Eh bien, c'est le contraire de ce que fait le président ukrainien. C'est-à-dire, puisque tout le monde sait, sauf si quelque chose m'a échappé, je ne demande qu'à contredire, qu'évidemment, Poutine est plus fort que le président ukrainien. Donc, continuer la guerre, au lieu de parlementer, au lieu de faire un cessez-le-feu, je vous rappelle que l'armée allemande a eu un armistice le 11 novembre. C'était quand même, et à l'époque, je vous rappelle que c'était quand même l'empereur d'Allemagne qu'on avait traité de fou, Guillaume II. On le traitait de fou, n'empêche qu'il a arrêté les souffrances. Il a vu que l'armée allemande était en infériorité et il a fait l'armistice. Et là, le président Macron, s'il existait, pourrait demander un armistice. C'est facile, en disant, nous allons discuter sur telle base. Ou alors, bon, voilà, mais c'est rien du tout. C'est rien du tout. On a affaire à cette
On pousse au combat, il faut qu'il y ait des morts, et ça, c'est le contraire de la loi de la guerre. Donc, c'est le viol des lois de la guerre. Actuellement, puisque les États-Unis ont dit qu'ils n'interviendraient pas, puisque le président Macron est aux côtés des Ukrainiens, mais chez lui, dans son fauteuil, hein, et puisque personne ne veut l'aider en termes militaires, et qu'actuellement, c'est un conflit militaire, eh bien, le président ukrainien doit cesser le feu et ne pas augmenter les morts. Ça, c'est un crime de continuer quand on est vaincu. Et je vous dis qu'autrefois, c'était sanctionné dans le droit de la guerre. Ceux qui continuent à faire des morts alors qu'ils étaient vaincus, ils étaient passés par les armes. Voilà le vrai droit de la guerre et non pas le faux droit Tartuffe qui fait croire qu'on fait la paix quand on fait la guerre ou quand on Donc, fait. dans la logique de ce que vous dites, M. Zelensky est passible, en tout cas, d'une peine d'emprisonnement minimum à la Cour internationale de La Haye. Enfin, Cour Moi, je internationale, on dirais, s'est parce que je compris, suis mais dans la logique, il est voilà. passible de ce qu'il fait aux autres. Et chacun comprendra ce que ça veut dire. Bon, Effectivement. ça, c'est la vraie justice. Alors maintenant, on a cette question de dictateur dont je voudrais parler. C'est-à-dire que ceux qui nous écoutent se disent quand même, c'est terrible, parce que qui faut-il choisir? C'est-à-dire que ce qui fait que nous sommes dans l'aveuglement, c'est que la chose la plus difficile au monde, c'est de penser que le pompier est pyromane, que le médecin vous tue, que le chef de l'État vous ruine, vous tuez. On a besoin de se sentir en sécurité. Je vous rappelle d'ailleurs que le président Macron a dit qu'il s'engageait à la sécurité des Français, même des Ukrainiens et des autres. Ça vous rappelle quelque chose? Ça, c'est tous vaccinés, tous protégés. Vous voyez, bon, donc on va peut-être y venir. Donc en fait, vous avez cette. Nous sommes dans cette. Comment comprendre la situation? Eh bien, il faut toujours prendre, c'est ce que disait le président Mitterrand, faire de la politique, c'est avoir une analogie. C'est-à-dire, tiens, ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé avant. Que les Français, quand ils pensent à ce qui se passe en Ukraine, pour ceux qui ont encore la capacité de comprendre, voient ce que nous avons vécu pendant 2 ans. Bon, qui est sur mon blog Réarmer l'intelligence, donc pour débloquer l'intelligence, j'ai fait une petite vidéo de 7 minutes qui est quand même capitale et qui donne la clé de ce que nous devons faire. Parce que ce qui se passe en Ukraine, nous l'avons vécu depuis 2 ans. C'est-à-dire que tous les mensonges qui nous conduisent au drame, c'est-à-dire à nous séparer de la Russie, et qui séparaient d'ailleurs la Russie de l'Ukraine, ce sont des frères. En Europe, nous sommes des frères. Nous avons la même culture. Nous avons les mêmes idéaux fondamentaux, qui ne sont pas les idéaux à l'inverse d'Orwell, liberté, esclavage, etc. Non. Donc nous devons nous unir. La vraie paix, c'est la paix des cœurs. Ce n'est pas la paix des traités, c'est la paix des cœurs. Et nous avons tout intérêt en Europe. Ils ont l'énergie et nous avons l'intelligence, excusez-moi, bon, ou l'inverse. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour nous entendre avec les Russes. Nous avons un passé commun. Bon. Et les seuls qui veulent nous diviser, ce sont les Anglo-Saxons. C'est la politique de l'Angleterre. Toujours sur le continent, se faire battre les deux puissances principales. Qu'est-ce qui a opposé la Prusse et la France et les guerres? Ce sont les Anglo-Saxons qui étaient derrière. Et les États-Unis font la même chose. Ils opposent la Russie et l'Europe. Donc il faut une vraie paix. La vraie paix, il faut refaire un congrès de la paix. Je fais la proposition, je vais bien l'organiser, c'est très facile. Bon. Et à ce moment-là, tout ira bien. Alors, ceux qui seront évidemment les victimes des sanctions, ça sera les Anglo-Saxons. Parce que si nous mettons les Anglo-Saxons hors du jeu, s'ils ne peuvent plus nous piller notre intelligence, piller nos richesses et manger nos fromages, qu'est-ce qu'ils vont et notre vin, le vin de Bordeaux, par exemple, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est une guerre contre l'Europe. C'est la guerre des Anglo-Saxons contre l'Europe. Parce que nous diviser des Russes, évidemment, c'est au profit de l'occupant, qui est là pour nous protéger. C'est comme le Macron. Il protège la prostituée, il dit, je le protège. C'est exactement ça. Donc, ce qu'il faut, c'est régler le problème, effectivement. Il faut une conférence. Et il faut, évidemment, trouver un accord. Qui avait été l'accord de Minsk d'ailleurs, c'était cet accord, donner à chacun ce qui lui est dû. Hein? La justice, c'est pas, relisez Tartuffe, la justice, c'est pas d'appliquer la loi assassine, c'est la force injuste de la loi, dont parlait d'ailleurs le président Mitterrand. Non, la justice, c'est de rendre à chacun ce qui lui est dû. À l'Ukraine, ce qui lui est dû, à la Russie, ce qui lui est dû, à l'Europe, ce qui lui est dû, et à ce moment-là, nous pouvons vivre en paix. Parce que là, les Anglo-Saxons préparent toujours la prochaine guerre. Je rappelle par exemple Dantzig. Bon, il prépare toujours. Quand vous lisez le traité de Versailles, vous savez très bien qu'il prépare la deuxième mi-temps. Le front Donc, Pacifique, le front Pacifique avec la Chine, notamment. les occupants, ce sont les Anglo-Saxons. Ce sont les prédateurs, ce sont les commerçants.
Ce sont les pillards. Donc il faut mettre hors de l'Europe les envahisseurs, les vrais, et de nous réunir tous ensemble. Alors, ceci dit, ça peut demander quelques étapes, mais puisque nous sommes une puissance nucléaire, nous n'avons peur de personne. Hein, c'est ce que dit Jean-Yves Le Drian. Donc on n'a peur ni des États-Unis ni des Russes. Le problème, monsieur Upinski, c'est que nos têtes nucléaires sont au service de l'OTAN et pas au service de la France. Alors, toute la différence, elle est là. Oui, autant on emporte le vent. Bon, alors ce que je veux dire, c'est que j'ai fait cette vidéo pour faire comprendre à ceux qui ont encore un cerveau, parce que maintenant, il faut aller au combat. Et le combat, c'est pas... Le combat que nous avons mené, c'est pas comment arrêter Poutine. Oui, il faut arrêter tout ce qu'il faut, etc. Bon, mais il faut arrêter aussi le président de l'Ukraine, etc. Le problème, c'est comment arrêter Macron. Parce que nous allons vers les présidentielles. Et la pire des choses, c'est s'il était réélu. Ça serait la pire humiliation, la pire chose. Donc, j'ai fait cette vidéo pour faire comprendre. C'est le plan que j'appelle NEC plus ultra. C'est plus on vaccine, plus on tue. J'apporte les preuves. Très simple. C'est la réplique cinglante au mensonge assassin du président Macron. Tous vaccinés, tous protégés. C'est exactement l'inverse. Ce clip signe la fin de la partie de Macron en montrant que nous avons été victimes que du mensonge, que du crime. J'ai évalué à 35 à 45 000 morts le coût de la guerre de Macron, la surmortalité. Alors, on peut discuter de l'ordre de grandeur, mais soit vous preniez mes chiffres, 82% parce que les gens n'ont pas été soignés, soit vous prenez la comparaison avec l'Afrique, on peut discuter, mais Macron est un assassin. Et moi, j'évalue, en tout cas, le président Perron avait dit 25 000 au mois d'avril 2020, entre 35 et 40 000, alors qu'on arrête de nous faire pleurer faussement ou véritablement même sur certains morts, mais chez nous, c'est la guerre que Macron nous a faite, c'est 25 000 ou 40 000, on peut discuter. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est la preuve absolue, scientifiquement, du crime de Macron. Il est un meurtrier. Alors, un meurtrier ne peut plus être président de la République. Donc, j'invite tous ceux qui ont encore du courage, parce qu'actuellement, il a gagné les élections. Et si jamais il gagne, il dira, vous voyez, vous m'avez donné votre avis, c'est-à-dire que par la méthode ventriloque, il va faire croire que nous l'avons élu, ce qui n'est pas vrai, il n'a pas été élu en 2017, il a été élu par une minorité de minorités, par un trucage, par un mensonge, par un non-consentement. Il faut chasser le président Macron. Alors, bon. Et la seule manière, c'est de le faire apparaître pour ce qu'il est, c'est-à-dire un criminel, et qui a sur les mains, donc, comme vous voyez, 35, on peut voir, 35 à 40 000 morts. Voilà. Le Rivotril, enfin, c'est ce que je trace depuis un an et demi. Voilà. Donc ça, c'est l'objectif. Et ça nous donne la turpitude, donc la neutralisation de toutes les institutions, de la presse, de la liberté d'expression depuis un an et demi. Ça nous donne une image de ce dont ils sont capables, comme mensonge, comme perfidie, comme trahison, en Ukraine. Donc, je l'invite les Français à regarder, à balayer devant leur porte, à regarder ce qui s'est passé. Les personnes âgées qui sont mortes seules, abandonnées, euthanasiées par le Rivotril, non soignées. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on dit aux gens de ne pas les faire soigner. Et dès le 25 janvier, tout ça s'est documenté. Et vous, les Gilets jaunes, vous avez porté la lettre du 28 avril à l'Élysée, qui n'a pas eu de réponse. Réponse de la nation au président de la République pour lui intimer l'ordre de reconnaître et de généraliser le traitement du coronavirus avec un traitement basé sur un protocole de traitement et non pas dans l'attente d'un vaccin qui tue, puisque la comparaison entre l'Europe et l'Afrique montre qu'en vaccinant 16 fois plus en Europe, il y a 11 fois plus de morts qu'en Afrique. Donc, vive l'Afrique qui nous sauve et qui nous montre que nous avons été trompés, assassinés par ce vaccin. C'est pas le vaccin plus tous vaccinés, tous protégés, c'est plus on vaccine, plus on tue. Alors, la question, monsieur Upinski, si je peux me permettre, c'est comment, quelle méthode? On a entendu tout et son contraire depuis 3 ans dans la résistance. Un gouvernement de transition, faire appel à l'armée, occuper l'Élysée. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour mettre cet individu hors d'état de nuire? La vérité nous délivrera. C'est-à-dire qu'il faut y aller par étapes. Pour mettre hors d'état de nuire celui que vous avez cité, il faut appliquer la méthode de Gandhi. Rendre l'injustice visible, rendre le crime visible. Et je vous fais remarquer que quand même dans les milieux soi-disant d'opposants, je suis totalement censuré, pas par vous, mais globalement. Moi, je ne suis pas propriétaire de la vérité. Mais il y avait un vieil adage du XVIIe siècle qui disait que lorsque la vérité est trouvée, chercher autre chose, c'est chercher le mensonge. J'ai établi la vérité.
Il faut s'en emparer, que ce que j'appelle le corps d'élite s'empare de cette vérité, qui est dans cette vidéo la plus simple. Plus on vaccine, plus on tue. On peut pas faire plus d'élite. Mais c'est qui ce corps d'élite? Le corps d'élite, c'est ceux qui vont s'engager à rendre virale cette vidéo, notamment. C'est vous, si vous suivez. Ce sont ceux qui prennent comme, non pas comme principe, non pas la liberté vous délivrera, mène le monde, c'est la vérité nous délivrera. La première étape, c'est de faire éclater ce scandale. Ce scandale de cet assassinat de masse qu'on a eu pendant 2 ans, dont j'ai apporté les preuves. Personne n'a jamais contesté sur le fond ce que j'ai dit. C'est ce que dit Gandhi. Je vous rappelle que Gandhi, la non-violence, c'est la violence qu'on accepte d'absorber pour montrer la violence du méchant. Mais dans ce cas-là, M. Upinski, il faut faire un appel solennel à partir de cette vidéo. Oui. Appel à ces corps d'élite, donc à tous ceux qui ont voulu faire quelque chose depuis des années, gouvernement de transition, enfin tous les opposants qu'on connaît. La première chose, je vous dis, parce que si vous voulez, alors là, on rentre dans la doctrine politique. C'est-à-dire que je vous donne le principe de base. Qui a fait la France? Ce sont des élites. Qu'est-ce que c'est que les élites? Ce sont celles qui se prennent en main, font un chef-d'œuvre, font un exploit. Les élites, il y a les saints, les héros et les génies. C'est-à-dire que l'élite des boulangers, c'est celui qui fait le meilleur pain. Ça se reconnaît. Hein, c'est la définition du XIIe siècle. Ceux qui sont reconnus comme les meilleurs. Mais le mot a migré, si j'ose dire, et si on regarde dans le dictionnaire, c'est devenu ceux qui sont au premier rang. Donc les parasites. Vous voyez, les apparatchiks. Donc il faut que les élites prennent elles-mêmes conscience de ce qu'elles sont. Il faut se prendre en main et vous, par exemple, vous lancez l'appel, si vous voulez, vous prenez la vidéo, vous voyez, et vous le lancez. Les élites sont celles qui vont au combat. La noblesse, un mot qui est imputrescible. Je vous rappellerai que même les socialistes, quand ils veulent bien parler de leurs copains, ils disent qu'il a eu une action noble. Le mot noble est imputrescible. Il est passé à travers la révolution. Matériaux nobles, action noble, beauté, etc. Donc, la noblesse d'épée, celle qui était au service des autres, elle se reconnaissait sur les champs de bataille. Et nous sommes en bataille. Donc, l'élite dont je parle, ce sont ceux qui vont se signaler, au bon sens du terme, par leurs exploits en allant à la bataille dans tous les domaines, intellectuels, politiques et autres. C'est ça. Mais il faut changer, évidemment, les élections, c'est le système pour les sélectionner la pègre. C'est un système pour empêcher les élites. Donc, il y a tout un travail à faire. Mais moi, ce que je vous propose ce soir, la première étape, c'est de rendre le crime pandémique du président Macron et des autres visible. À partir de ce moment-là, ça réouvre le jeu. Pourquoi? Il ne s'agit pas seulement de se débarrasser du président Macron, mais c'est tout un système qui est derrière. Et quand l'éléphant s'écroule, eh bien, il y a beaucoup de choses qui s'écroulent avec. Et donc, c'est surtout les principes qu'il y a derrière. C'est le système Macron, c'est le système prédateur, c'est le système anglo-saxon, c'est le système qui a permis d'interdire aux gens de se soigner pour leur imposer un vaccin criminel. Maintenant, la preuve, je l'apporte. 16 fois plus vaccinés qu'en Afrique, on souhaite plus de morts. La liste est grande, hein, entre ces 500 et 1000 valets serviles qui sont justement, et ces oligarques qui sont derrière Macron. Non, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que la vérité est invincible sous certaines conditions. C'est-à-dire qu'il faut rétablir une nouvelle langue de vérité. La vérité nous délivrera. Mais d'abord, je vous le dis, pour moi, mon instrument de mesure, c'est de faire que cette vidéo de 7 minutes devienne virale et que les gens commencent à comprendre que quand on a la vérité, ce n'est pas la peine de chercher autre chose. Et j'avais dit que les manifestations devaient avoir non pas la liberté, le président Macron ayant très bien répondu, la liberté ne dispense pas du devoir, c'est assassin. Alors, là, on peut commencer à discuter. Ah bon? Vous me traitez d'assassin? Pourquoi? Et là, nous avons le chiffre, comparaison Europe-Afrique. Je vous ferai remarquer que le président Macron, quand il est allé au Parlement européen, eh bien, il a dit qu'il fallait envoyer des vaccins en Afrique. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument faire disparaître les preuves du crime. Mais monsieur Pinsky, si je commence à installer des usines. Si je peux me permettre, ça fait un moment quand même que beaucoup de personnes se sont responsabilisées et ont fait ce travail justement de mettre en avant ce crime de Macron. Non, ce crime de masse. Personne. Personne ne l'a fait. En bonne et due forme. Parce que je vais en bonne et due forme. Oui, là je suis d'accord. En bonne et due forme. Mais évidemment, si c'est comme quand vous faites une omelette avec du hareng, ben ça ne fait pas une omelette. Il ne suffit pas de prononcer les mots comme certains que je ne veux pas citer. Il ne faut pas dire au détour, un crime, etc. Il faut mettre en bonne et due forme. C'est comme en droit. Sinon, quand vous prononcez des mots de travers n'importe comment, eh bien, c'est inopérant. Il faut répéter toujours la même chose. Et si ce que je dis
ça avait été fait, on aurait eu dans toutes les manifestations en face criminels, assassins, et je propose qu'on mette ces chiffres, 16 fois plus de vaccinés, 11 fois plus de morts. Bon. Et donc là, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de débat. Le débat démocratique, c'est la négation du débat. Le débat, c'est quand on peut obtenir une réponse. Donc il faut arriver à faire monter dans la conscience publique, dans le débat public, le fait que nous avons été trompés, dupés, assassinés, que les personnes âgées, on les a laissées mourir à coups de rivotril et compagnie, et qu'on a affaire à ce que j'ai appelé personnellement, le 11 novembre, dans l'appel du 11 novembre, n'est-ce pas, de la Toussaint, le pire crime de l'histoire de France, parce qu'évidemment, il y a toujours des tas de choses, mais là, assassiner ses concitoyens au nom de la santé, ça, c'était jamais vu. Et le mobile du crime, c'est évidemment l'argent, 65 000 dollars par minute, bien entendu, et puis il y a autre chose là dont je ne parlerai pas. Mais le crime, c'est d'empêcher de se soigner. Et là, les enfants ont été suicidaires. C'est la première fois dans l'histoire que les enfants ont envie de se suicider. Bon, je ne vais pas décliner, mais il y a des personnes qui ont, comme vous le dites, fait semblant de se battre. Mais ils ont fait semblant. Parce que dans stratégie militaire, ce qui fait la victoire, c'est l'engagement. Et l'engagement, c'est le contact. Je n'ai pas forcément contact physique. C'est personne, par exemple, à la Chambre. J'ai essayé. Personne n'a accusé le gouvernement de crime à la Chambre. Pourtant, c'est fait pour ça. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc, si vous voulez... J'invite, c'est pas la première fois, mais là vous vous accrochez bien, cette vidéo, elle concrétise. Parce que vous voyez, il y a des gens qui discutent, qui disent ci, qui font ça, c'est trop compliqué. Maintenant, la vérité de l'assassinat par le gouvernement et la politique criminelle du président Macron, elle est aussi grosse qu'un continent. Vous avez remarqué d'ailleurs, je le dis dans cette vidéo, qu'au départ, on a dit, mais ces pauvres Africains, ils vont être massacrés. Eh bien non, ce sont ceux qui ont vécu, mais on ne veut pas le voir. C'est à la hauteur du mensonge des médias. Ce qui se passe en Afrique. Monsieur Pinsky, moi j'ai une question dans ce cas-là. C'est-à-dire que si on arrive effectivement à montrer, à crier haut et fort dans toutes les institutions du pays qu'il y a bien eu un crime d'État et un génocide en cours, ces cas, plus de 45 000 morts, quid de la suite? Donc 40, on peut discuter 35, 40. Enfin, mais il faut rationaliser cela. Il faut rationaliser. C'est-à-dire les uns vont vous dire il faut porter plainte. Donc là, on tombe dans le piège carrément de la République. Qu'est-ce qu'on fait en fait une fois que tout ça est mis en avant, qu'une fois que tout ça a été dit, a été mis vraiment sur le devant des Français, que chaque Français pense. Écoutez, qu'est-ce qu'on fait après? Je vais vous dire très chose. Moi, je suis un scientifique. Il faut aller étape par étape. On ne peut pas traiter toutes les questions maintenant. Je vous dis, c'est l'étape numéro un. Les Anglo-Saxons, j'ai travaillé dans l'industrie anglo-saxonne, ils ont une bonne formule. Nous, en France, on dit étape par étape, et eux, ils disent step by step. Bon, je dis ça pour eux. C'est que la première, si vous voulez, la question, c'est par quoi faut-il commencer pour ne plus avoir à se poser la question. C'est comme en mathématiques. Il y a le premier théorème. Une fois qu'il est acquis, vous boulonnez. Vous passez au deuxième théorème. Le premier théorème, c'est de rendre visible, de provoquer le scandale de ce crime. J'ai gagné le plus gros procès en contrefaçon littéraire, grâce à la presse, d'ailleurs, qui a rendu visible les choses. Bon. Mais l'étape, la première étape, c'est ce que j'ai vu, parce que j'ai vu beaucoup d'avocats. Hein, c'est qu'ils ne veulent pas aller au combat. L'avocat, c'est quelqu'un qui vous demande d'abord une provision. Les avocats qui perdent devraient payer leurs clients. Ça irait beaucoup mieux. D'ailleurs, la justice devrait être gratuite. On a beaucoup de choses à changer. Mais évidemment, comme la Constitution a été faite par les tricheurs, la première chose, c'est de rendre le crime visible. Et je peux vous dire, et là, c'est un combat à mort, si je peux dire, au bon sens du terme, c'est qu'il faut se battre. C'est la seule chance. Parce que je vais vous dire, si Macron est élu, on est foutu. Mais si vous faites ce que je vous dis, c'est lui qui est foutu. Mais il n'y a qu'une chose qui est plus forte que lui, c'est la vérité. Et donc, il faut s'accrocher. On a pas très longtemps. Mais sinon, on y a droit. Et ça va être encore lui. Et en plus, quels sont l'état de nos forces, monsieur Pinsky? Quels sont l'état de nos forces qui nous restent pour mettre en avant ce crime avant son élection? Vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y avait des gens qui avaient tenu le même propos. Vous avez peut-être que j'ai fait une charte du Mont-Valérien. Tout à fait. Qui en appelait Macron à dire la vérité. Cette charte, je ne vais pas vous donner des noms, on n'a pas attendu des noms. Il y a des personnes qui ont prétendu qu'ils allaient continuer, ils n'ont pas continué. Bon, donc ce qu'il faut, et on pourra en reparler d'une certaine manière, c'est il faut créer l'événement. Vous avez beaucoup de personnes qui prétendent être dans l'opposition. On se passe des informations, réinfo Covid, machin, etc., conseil scientifique indépendant. Moi, je vous dis simplement,
Ce que je dis, les vrais opposants sont ceux qui vont suivre cette vidéo. Parce que maintenant, grâce à vous d'ailleurs, elle va avoir ses répercussions. Il n'y a plus qu'une idée à voir maintenant, plus qu'un seul sujet, c'est ça. Et une fois que c'est tout le système qui s'écroule à ce moment-là, le système de la magie noire. Et d'abord, parler de magie, c'est-à-dire bien dire qu'il y a une science spéciale qui nous dupe. Donc, moi je dis, vous savez, quand vous prenez au Moyen-Âge, la noblesse, ils n'étaient pas très nombreux, mais c'était plus facile parce que l'ennemi était visible. Il y a deux sortes de courage. Il y a le courage physique et le courage moral. Le courage moral, c'est le plus difficile, c'est d'affronter les calomnies, les mohanismes, etc., etc. Bon, tout à fait, moi, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Depuis cinq ans, j'ai bien dit dans Macron le président de l'Europe, comment il fallait sortir de l'aveuglement. Il faut soi-même, l'étape 1, sortir soi-même de son aveuglement. Se dire, oui, c'est vrai, je suis dirigé par des assassins. Oui, j'ai été dupé. Ce n'est pas très drôle d'admettre qu'on a été traité comme un con. Enfin, c'était le mot des gilets jaunes. Oui, ils nous traitent comme des cons. Mais une fois qu'on a compris qu'ils nous traitent comme des cons et que nous ne sommes ni citoyens ni rien, mais que nous sommes traités en esclaves, c'est le début de la liberté. Parce que nous sommes prisonniers de nous-mêmes, de la bonne idée que nous essayons d'avoir nous-mêmes. Et tous ces gens qui font de la résistance, soi-disant, c'est uniquement pour faire des vidéos. Donc si tous ceux qui prétendent lutter ne suivent pas, la seule solution, c'est la preuve criminelle de cette politique qui a été suivie, eh bien à ce moment-là... Mais c'est un petit nombre qui peut nous sauver. Justement, dernière question pour clôturer cette émission, mon cher ami. Quid de l'armée? Pourquoi pas faire appel à l'armée? Mais l'armée, ça n'existe pas. Moi, je suis une famille de militaires depuis 1000 ans. Mais ça n'existe pas. Ce sont des fonctionnaires, ce ne sont plus des guerriers. Ce sont des gens qui obéissent. Il y a un esprit guerrier. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mais s'il y en a, ben, qui se manifeste? Mais s'il est un militaire, ce n'est pas celui qui a sa carte. Ça se voit, un militaire. Un guerrier, ça se voit. C'est comme quelqu'un qui court vite. Vous envoyez un seul militaire? Peut-être que toute l'armée n'est pas comme ça. Je pense qu'il y a forcément des gens de bonne foi. Que nous avons lancé le capitaine Juvin Brunet, qui se dit capitaine alors qu'il n'y a rien du tout. Bon, il copie les mots, c'est un attrape-mouche, c'est encore un caméléon, mais qui avait signé la fameuse lettre qui a donné la charte du Mont-Valérien, qui défiait Macron, dire la vérité, mais maintenant, il se carapate devant tous les monuments, il veut terminer vers Versailles. Mais si vous voulez, c'est un appel au don qu'il fait, hein, c'est tout. Mais il ne se bat pas, ce n'est pas un guerrier, ce n'est pas un combattant. Il dit juste des choses pour faire plaire. L'armée, si vous voulez, l'armée, en plus, ce n'est pas une armée physique. Il faut reprendre le pouvoir intellectuel. Le mot de la fin, si je peux dire, c'est que le poisson pourri par la tête et la tête pourrie par la langue. Il faut reprendre le pouvoir de la langue. C'est-à-dire que nous aurons gagné si sur un plateau, il y a quelqu'un qui dit « plus on vaccine, plus on tue » et qu'en face, l'autre a la parole coupée. Ça, c'est mon livre « La tête coupée, la parole coupée ». Il faut couper la parole du discours officiel. Et une fois qu'il y aura un certain nombre de gens qui oseront faire ce qui se faisait à cette époque, envahir les plateaux pacifiquement… Professeur Perron l'a fait. Non, mais Perron, il est gentil, Perron. Il n'a pas fait. Perron, il est très, très gentil. Il a dit, d'ailleurs, une fois que c'était... Louis Fouché l'a fait. Mais pas du tout. J'ai eu au téléphone. Je ne vais pas dire des méchancetés. Ils ne sont pas débattants. Je vais vous dire quand même pour lui, puisque vous le citez, il m'a dit, il y a une ligne jaune que je ne peux pas franchir. C'est-à-dire très bien. Mais ils sont tous comme ça. Je peux vous les donner tous. Donnez-nous les clés. Donnez-nous les clés du plateau de BFM TV et on va faire le boulot. Il n'y a pas de problème. Il y a des élites qui m'écoutent. Il faut qu'on peut en parler, qu'ils se prennent en charge. Je vous dis, il faut un seul message, c'est celui de cette vidéo. Qu'ils rendent, qu'ils fassent tout pour défier avec cette vidéo. Et qu'ils interpellent le voisin, le maire, etc. Qu'est-ce que vous avez à répondre? Et à ce moment-là, on peut affiner si on veut, mais c'est incontestable, c'est gros comme un continent. Mais d'abord, il faut gagner soi-même, si vous voulez. Quand vous êtes dans l'armée, vous savez comment ça se passe. D'abord, vous avez des petites escarmouches. C'est-à-dire que vous n'attaquez pas le corps d'armée ennemi tout de suite. Mais c'est ce qu'ont fait tous les résistants, si je peux dire de manière ou d'une autre. Quand vous n'avez pas d'armes, ben, vous allez les chercher chez les gendarmes. Mais là, ce sont les armes de l'esprit dont je parle. Il faut accepter de comprendre qu'il faut débloquer notre propre intelligence. Et là, en voyant cette vidéo, vous dire, tiens, j'avais pas vu ça, qu'est-ce que j'en fais? Il faut rester sur un seul message. C'est la fable de La Fontaine, si vous voulez, alors c'est la fable de La Fontaine du chat. Parce que La Fontaine, c'est l'ennemi des dictateurs. C'est l'ennemi de Macron, La Fontaine. C'est l'ennemi de Rousseau. C'est l'ennemi de Napoléon. Parce qu'il explique que nous sommes comme des animaux et que le langage sert à tromper.
Donc, dans cette fable, vous avez le chat et le renard qui se promènent bras dessus, bras dessous, et chacun raconte comment il fait. Le renard dit, voilà comment je rentre dans le poulailler, le chat dit autre chose. Puis tout à coup, ah, la réalité arrive. Il y a un lévrier qui arrive vers eux. Qu'est-ce qui se passe? Ils se séparent, et puis le renard court, 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 il fait 1000 tours, mais le lévrier l'attrape et le tue. Tandis que le chat, il est monté à l'arbre. Et la fontaine conclut, n'ayez qu'un coup, mais qu'il soit bon. Eh bien, le coup, c'est le clip dont je vous parle, c'est les 7 minutes. Et si vous suivez celui-là en interpellant, en comprenant, eh bien, c'est la victoire au bout du terrain. Parce qu'il suffit d'avoir, comme je vous l'ai dit en artillerie, le haut contrôle le bas. Et quand vous contrôlez le mot crime, vous contrôlez les criminels. Et les criminels sont ceux qui sont en haut et qui doivent descendre en bas. Voilà, voilà l'idée. Voilà l'idée importante. Très Donc, bien. l'objectif, il faut que Macron dégage, excusez-moi le mot un peu familier, Non, non, allez-y, travaille pour lui. allez-y. Bah, je me... Encore, vous êtes gentil. Il n'est pas éligible. Les Français ne peuvent pas supporter un criminel, mais pour ça, il faut le faire savoir, il faut le faire entendre, il faut se concentrer, s'organiser, et les réseaux dits sociaux sont là pour ça. Si les personnes que vous avez citées tout à l'heure, je ne vais pas les reciter, bon, veulent vraiment se battre maintenant et racheter leur collaboration, plus ou moins, parce que d'ailleurs, bon, eh bien, à ce moment-là, qu'ils s'engagent, c'est maintenant ou jamais, sinon, on est reparti pour un tour. Et je peux vous dire que si vous avez aimé ce qui s'est passé pendant 2 ans, vous allez adorer les 5 années suivantes. Donc il faut éviter ça à tout prix. Il faut réouvrir le jeu. Et je vous dis, si Macron tombe, ou quand il tombera, il va tomber, c'est tout un système de magie noire qui tombe avec. Et ça, Et donc la République avec. alors là encore, il y a le mot république. Bon, alors n'emploie pas les mots, je vous dis que le mot république, c'est un mot qui a été volé. C'est-à-dire que c'est comme la liberté. C'est beau la liberté, mais la liberté pour eux, c'est l'esclavage. Bon. L'ignorance, c'est la force. L'égalité, ça a été la prison. La fraternité, ça a été la guillotine. Oui, Donc non, mais on ils est prennent d'accord, le monsieur. mot, c'est-à-dire que le nominaliste, qu'est-ce que fait le nominaliste? Il prend le On mot au s'est compris. réaliste et il le rend détestable. Le mot république en soi est un beau mot qui a été corrompu, qui a été sali, qui a été prostitué. À l'époque, par exemple, vous avez la Respublica Christiana, à l'époque, qui était la République chrétienne. À l'époque de Louis XIV, on disait d'un juge, il ne faut pas qu'il se batte pour son intérêt, mais pour la République. En principe, la République, c'est le bien commun. Mais les nominalistes, ils appellent vertu ce qu'est le crime. On revient à l'Ukraine, ils appellent la victime, ils appellent le bourreau. Ils inversent tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut créer le régime que nous déciderons ensemble, si vous voulez, Tout à fait. on C'est les choisira le Français qui nom. décideront quel régime ils voudront. Oui. Mais ce qui est important, on pourra en discuter, le principe de base, c'est que c'est ce qui est fait, qui a fait la richesse, la gloire de la France, c'est le principe de base qu'il faut reprendre. Quand vous faites de la reprise d'entreprise, vous cherchez le cœur de métier, vous enlevez tout ce qui est à côté et vous relancez l'entreprise avec le cœur de métier. La France, c'est pareil. La France est dépositaire de la magie blanche, de tous les symboles, de toute cette richesse, ce savoir-faire, ce savoir-vivre, ce savoir-construire, ce savoir-aimer, notamment entre les hommes et les femmes, quand vous pensez à la situation actuelle, eh bien, la France avait ce trésor. Et ce trésor est attesté, je vous dis, la France est reconnue comme la meilleure par le monde entier, par le patrimoine. C'est le pays le plus visité. Parce que les seuls qui ne savent pas que nous avons un secret de renaissance, c'est nous. Mais tous les étrangers le savent, ils viennent là, ils viennent nous piller. Donc, si vous voulez, il faut revenir à ce qui a fait au principe de la France, et là, je vous tends une perche, ce sont évidemment les principes inverses de celle, c'est la République à l'envers, évidemment. Ce sont les principes inverses de ceux qui l'ont tué. Ce sont les principes qui ont fait la grandeur de la France, qui doivent conduire à sa renaissance. Je vous rappelle que tout le monde me prend mes mots. Il y a quelqu'un qui a appelé Reconquête, mais il y a 3 mots, que je vais citer, si on va voir. J'avais dit de la Reconquête pour la langue française, parce que j'ai dit que la clé, c'est la langue française. C'est de la résistance à la reconquête. Il y en a un qui a pris le mot, mais après, ce qui compte, c'est la renaissance. C'est les 3 R. Résistance d'abord, reconquête et renaissance. Et la renaissance de la France ne peut se baser que sur ces vrais principes qui sont, et là je vous l'accorde, l'inverse de la révolution, de la République ventriloque, de la République anti-sens qui nous a trompés à la Révolution comme
avec les Macron de l'époque, comme Macron nous trompe en Tout à nous fait. disant qu'il va réconcilier les dirigeants avec le peuple, comme il a trompé les Gilets jaunes, comme il a trompé le Les Falange. Anglo-Saxons, les puissances d'argent et la franc-maçonnerie qui a fait 1789, C'est-à-dire qui que, sont sans, sans, l'anti-France. c'est-à-dire Qui que sont l'anti-France. la magie noire, c'est le monde anglo-saxon. Alors après, on peut rentrer dans les détails, si vous voulez, mais ce qui est important, c'est que ce sont des prédateurs, parce que la finance, pourquoi est-ce qu'elle est prédatrice? Parce qu'elle n'apporte pas de richesse, ça devient un but en soi. Et ça, si vous voulez, il faut voir la création de la Banque d'Angleterre. Enfin, tout ça nous mènerait loin. Mais rappelons-nous, n'ayez qu'un coup, mais qu'il soit bon. Et ce coup, c'est le clip qui est la première étape, premièrement soi-même, se libérer, parce que nous sommes prisonniers de nous-mêmes avec tous ces mots, liberté, égalité, fraternité, démocratie, etc. Tous ces mots qu'on voit actuellement à l'œuvre en Ukraine, qui font l'inverse de ce qu'ils disent. Liberté, égalité, fraternité, ça nous a mis le confinement, ça nous a conduit à la mort. Et après, en plus, au nom de la fraternité, je Et à pense de deux guerres l'Ukraine. mondiales. Voilà. Et c'est tout là. Donc, il faut complètement rebattre les cartes, remettre à plat et revenir là où nous avons été les meilleurs, là où notre chute a commencé, c'est-à-dire en 1789-1792, avec la destruction de nos monuments, la guillotine, l'emprisonnement, la terreur, etc. Et là, nous avons vécu une terreur vaccinale. Nous sortons de 2 ans de terrorisme. Donc, il faut vraiment prendre conscience. J'invite ceux qui veulent à regarder sur mon site Réarmer l'intelligence. Ils verront que je n'ai pas changé d'un iota depuis 2 ans. Donc, il y a ce qu'on appelle une catharsis. Il faut se purifier soi-même de toutes ces fausses valeurs, de tous ces mensonges, de ce langage révolutionnaire. Et dans mon livre, là, je le cite, Macron, le président de la République, je cite la harpe qui a bien expliqué que le langage révolutionnaire, c'est celui qui fait l'inverse de ce qu'il dit. C'est Macron, sont les anglo-saxons. C'est-à-dire qu'il dit qu'il vous enrichit et il vous vole. Bon, donc il faut d'abord se purifier soi-même, il faut revenir Nous à sommes sa bien d'accord vérité là-dessus. intérieure, et après, deuxième étape, dénoncer le crime, montrer que nous sommes dirigés par des menteurs, des prédateurs, des assassins, et après, nous nous retrouvons entre nous. C'est-à-dire que la règle, c'est qu'en fait, ceux qui sont les meilleurs, qui sont prêts à tirer les autres vers le haut, vers le bien, eh bien à ce moment-là, c'est l'étape suivante. Mais n'allons pas trop vite, si nous ne franchissons pas la première étape, c'est-à-dire c'est l'étape, la vérité nous délivrera. On ne pourra pas aller plus loin. Et ceux qui sont dans cette optique vont se reconnaître entre eux, se regrouper. Et c'est ce qu'ont fait les Gilets jaunes, mais il leur a manqué l'étape suivante. Mais ils ont quand même fait la révolution, engagé la révolution de la vérité. Ils ont quand même battu Macron. Mais ils l'ont pas bien vu. Le 14 novembre 2018, Macron était toujours devant la photo sur le porte-avions de Gaulle. Et il a dit, mon plus grand échec, c'est que je ne suis pas arrivé à réconcilier les dirigeants et le peuple. Mais il a continué, personne n'a pris la photo. N'ayez qu'un coup, mais qu'il soit bon. Il fallait constamment le marquer à la culotte. Vous voyez, il faut pas changer de message. Et la véritable censure, c'est la censure des réseaux sociaux qui change tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a la vraie vérité, hop, elle est recouverte par jour. Donc il faut, n'ayez qu'un coup, mais qu'il soit bon. Et le coup actuellement, jusqu'au présidentiel, c'est le crime pandémique de Macron et de son équipe. Et on se débarrasse à ce moment-là du haut de la pyramide. Et ça permet l'émergence, le retour aux vraies valeurs. Parce que l'idée, c'est de remplacer les valeurs, les fausses valeurs, les anti-valeurs de la Révolution par les vraies valeurs de la France qui sont de l'enrichissement. Et il suffit de regarder le patrimoine. Vous promenez en France, vous voyez la richesse qui a été apportée. Et quand vous avez la Révolution avec le serment de haine de la royauté qui a été fait, dès le 14 août 1792, il y a eu des ordres, parce que ce ne sont pas les Français qui ont assassiné, c'était tous les massacres de septembre, il ne faut pas croire. Ceux qui ont détruit les monuments, ils étaient payés, c'était des salariés. Et l'idée de cette révolution anglo-saxonne de 1789-92, parce que ce ne sont pas les Français qui ont inventé les droits de l'homme, tout ça nous vient d'Amérique, Lafayette, nous voici. Il faut bien reprendre l'histoire, comme l'a fait d'ailleurs Poutine quand il raconte l'origine de l'Ukraine. La science absolue, c'est l'histoire qui raconte l'enchaînement des choses. Et dès le 14 août, il fallait évidemment, la France est tellement belle que les agents anglo-saxons ont décidé de détruire ce dont ils étaient jaloux, les monuments. Et ils ont dit que les monuments, Versailles, les cathédrales, les églises, tout ce qui était beau, eh bien, il fallait l'enlever de la vue du peuple parce que ça leur montrait ce qu'était le despotisme et le fanatisme. Vous voyez? Et le fanatisme, c'est l'obscurantisme. Donc, ils voulaient cacher les modèles d'admiration. Parce que quand vous supprimez le beau, eh bien à ce moment-là, vous prenez en esclave qui vous voulez. Enfin, voilà. Donc l'idée, c'est revenir vraiment. Il faut effectivement, il faut se débarrasser de Macron
surtout de ce système anglo-saxon. Il faut couper le cordon ombilical avec le monde anglo-saxon, la finance et compagnie. Il faut se retrouver entre nous. Et à ce moment-là, sur les vraies valeurs de vérité, la vérité nous enlèvera. Et après, vive la France, vive la vérité nous délivrera. Et c'est la voie royale pour la paix en Europe, la paix en Ukraine, et puis donc de revenir nous-mêmes. Ça nous permet de passer un dernier message pour conclure cette magnifique émission. Là, je m'adresse à l'ensemble de la dissidence, la dite dissidence. Puisqu'il faut faire un retour sur nous-mêmes, comme vous le dites, Monsieur Upinski, effectivement, c'est le moment de le dire. Notre grande erreur à beaucoup d'entre nous, c'est de ne pas avoir su se mettre autour d'une table, de se rencontrer, de discuter, de ne pas juger l'autre. Ça a été la grande, grande erreur depuis des années, que ce soit avec les Gilets jaunes ou en dehors, avant ou même après, de ne pas avoir cette capacité de se mettre autour d'une table alors que nous avons tous le même ennemi en commun. Donc c'est un appel solennel. Là, on n'a plus le choix. Mettons-nous autour d'une table. Et effectivement, utilisons des armes intellectuelles, comme vous nous le donnez là, M. Upinski. C'est une occasion, je pense, effectivement, de peaufiner une stratégie tout autour de cela. Bon, il y a déjà des stratégies en cours dans chaque groupe dissident. Mais bon sang, mettons-nous tous autour d'une table et laissons nos égos de côté. Ça, on ne le répétera jamais assez. Mais le fil d'Ariane, c'est la langue, c'est la logique, c'est l'arbitre. Il faut un arbitre quand on discute. Vous voyez, il y a le pour, le contre, et ce qui tranche, c'est la vérité. C'est l'épée de la vérité qui doit trancher la question politique. Bon, moi, on m'a demandé de faire des cours, des choses, on peut en parler, mais c'est la grammaire, la logique. Si vous voulez, il y avait une belle phrase, nous terminons par là, de Molière, qui n'est pas rentré à l'Académie française, d'ailleurs, c'est un sujet. Molière disait, la grammaire, fondement des sciences, qui s'impose même au roi, et les faits la main haute, obéir à ses lois. Donc il faut quand même obéir à quelque chose, c'est à la grammaire, à la vérité, et la langue française, qui est la langue de la vérité, c'est elle qui doit nous reconduire à la liberté. Ah bah, et purifions déjà le franglais qui nous tue au quotidien, ça serait déjà pas mal, parce que là, pour la reconquête, excusez-moi du mot, entre guillemets, de la langue française, et c'est tout un travail générationnel. Et la Renaissance. Et la Renaissance, c'est tout un travail générationnel. Et bien, les trois R, résistance, reconquête, Renaissance. Voilà. Résistance, reconquête. Ben merci. Voilà. Merci à vous. Merci à vous, Monsieur Upinski, pour cette belle démonstration. Et on remercie en tout cas tous nos auditeurs d'avoir été fidèles à nos émissions. Prenez soin de vous. Et alors, j'en profite, un dernier message. Monsieur Upinski, acceptez-vous que nous puissions, en fait, c'était une idée de ma part, on n'est pas obligé d'accepter. Je voulais qu'on termine cette émission par le magnifique hymne national de la Russie. Êtes-vous d'accord? Oh ben oui. Je trouve qu'il est plein de bon sens. Je vous dis, nous avons tout par notre histoire. Vous savez que la Russie, quand elle a parlé de l'Europe, et je pense au voyage du tsar Pierre, c'est que le modèle artistique, intellectuel et autre avec Catherine II, c'est la France de la Russie. Mais en tout bien, tout honneur. Parce que la France... Le soft power américain, c'est l'oppression, c'est le mensonge, c'est la duplicité. Tandis que le modèle français, il attire par l'émerveillement, c'est-à-dire c'est par l'admiration. Hein, ce n'est pas le bourrage de crâne avec Walt Disney. Donc la Russie admire la France par la valeur ajoutée de la France, par la beauté, quand vous comparez le rôle de Versailles. Donc c'est important, nous sommes des frères, si je peux dire, des frères culturels. C'est ce que Poutine parle d'une chose très intéressante, il parle de l'espace culturel, il parle de l'espace spirituel. Et ça, c'est un langage de réaliste. Eh bien, nous sommes dans le même espace culturel et le même espace spirituel que la Russie. Donc, vous pouvez terminer effectivement par l'hymne russe. Parfait. Très bien, ça nous changera de l'escroquerie de l'hymne américain. Grâce à ça, nous allons faire un grand pas a été fait vers la paix à travers cette émission. Exactement. Donc je vous remercie. Que Dieu nous entende. Je t'en prie, Redouane, tu peux nous mettre le générique de fin, tout simplement par l'hymne national de la Russie, de la grande Russie. Je t'en prie, Redouane. La Russie éternelle, si j'ose dire. Exactement.